Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est la maman. Maman, je dis que le bis il veut ma mort. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Attendez que je me positionne. Je suis chez moi, dans un coin de mon jardin. Je suis dans un coin de mon jardin. Je ne sais pas si Toto peut être dans un coin du jardin. Parce qu'elle me parle de la maison. En été, on est dehors. Je suis dans un coin de mon jardin. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux le nombre. Parce que je vais framponner. Je vais verser tout ça aujourd'hui. Oui. Partagez, bipez les voisins. Oh, c'est pas possible. Ça monte pas vite, là. Partagez, c'est la maman de l'heure juste qui est là. Aujourd'hui, là, je framponne. Dans un premier temps, j'ai un audio que je vais vous faire écouter. OK? On va d'abord écouter cet audio. Et ensuite, je vais m'adresser à la personne de cet audio-là. Tu comprends? Il y a des noms qui sont cités dans cet audio. Je vais m'adresser à ces personnes-là, particulièrement. Parce que hier, Ducamel nous a servi la partie 2 de son intervention suite à la fameuse crise. Que vivent les enfants? Les enfants de mon ami le bon, le mari de ma cour. Je vous fais d'abord écouter l'audio. Après, je vais vous parler. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions. Mako, envoyez les cœurs pour Mako. Mako est là. Mako aime les justes. Mako n'aime pas le mensonge. L'éducation et les valeurs qu'elle a reçues, c'est pour l'heure juste. Envoyez les cœurs pour Mako. Ceux qui écrivent Mako doivent écrire Mako avec 4 O et 4 chapeaux. Je mets d'abord l'audio parce que c'est l'audio qui est la pièce maîtresse. Ducamel a servi quelque chose hier. C'était pas pire, mais je vais lui donner là où il a une. Parce que c'est important de dire la vérité aux gens. Dans le respect, bien sûr, du cadavre. Parce qu'il faut qu'on reste encore à du cadavre. Il ne s'est pas encore excusé chez sa grande soeur et peut-être sa mère. Parce qu'ils sont tous ici, ils ont 22 ans, 24 ans. Ils sont tous ici, ils ont 24 ans. Comme leur taille, parfois, les trompe là. Donc, c'est un peu ça. Il ne s'est pas encore excusé chez moi pour le somme de stress, de clash qu'il a fait pour moi. Donc, je l'appelle encore du cadavre jusqu'à date. C'est comme ça. Moi, je ne change pas vite la veste. Je ne suis pas une belobo. Voilà. Donc, on met d'abord le duo. Ici, attendez, c'est le bon. Attendez, je recommence. Parce que c'est comme si ça avait parlé, je ne sais pas. Je suis à zéro. Attendez. Attendez. Bonjour, Ducamel. Ici, c'est le bon. Nous sommes le dimanche 11 juillet 2021. J'ai décidé de te faire ce voice pour accompagner le document de preuve ou le début de preuve concernant le témoignage. J'ai certain Kamnia hier sur le direct ou sur ton direct hier samedi. J'ai décidé d'abord de t'envoyer ce document dans lequel tu verras les informations pertinentes concernant ceux qui m'ont cautionné ou la personne qui m'a cautionné et les adresses qui y sont. Je veux aussi te dire que je ne pouvais pas ne pas envoyer les preuves contraires des bouts de mensonges racolés par Kamnia. Mais je me suis dit aussi qu'il fallait que je fouille dans mes documents. Sandra. Sortir une preuve déjà concernant son mensonge. Ouais. Le mensonge. Non seulement il a menti dans le récit de son affaire de viol, parce que ce n'était pas lui qui était supposé être la personne violée,
personne violée elle-même a évité de venir dire, mais il s'est permis d'associer un faux témoignage de mes enfants dans cette histoire et aussi un faux cautionnaire d'une personne que je connais. Raison pour laquelle je t'ai envoyé ce document que tu voyais. J'ai le document. C'est bien écrit caution d'engagement. Tu verras mon nom. Tu verras le nom que Mana la Congolaise utilise à Toronto. Tu verras le nom de la personne qui m'a cautionné. Ce n'est pas un nom à connotation camerounaise. Et tu verras sur les adresses. Lorsque ce garçon à la barbiche blanche, preuve de sagesse, mais malheureusement preuve de médiocrité au regard de ce qu'il a raconté. Yes, le français. Lorsqu'il s'est introduit. Oh, c'est beau. Il a dit du camer, tu me connais. Ça je ne mange jamais. Ça veut dire qu'il a pris un témoin et à caution morale par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Du cadavre, il faut que tu nous dises. Il a aussi dit, je ne mens pas. J'ai donc décidé très rapidement de 24 heures d'amener une première preuve de son mensonge. L'autre preuve sur l'accusation ou sur le mensonge qu'il a inventé sur mes enfants, qu'ils ont témoigné contre moi, eh bien, cette preuve-là, j'ai la cassette de ça. Du moins, le CD de ça. Mes enfants ont été bel et bien interviewés, mais en aucun cas, ils ont dit que leur père battait leur mère. C'est des gens qui vivaient vraiment tous les jours. Hein. Tous les jours à la maison. Voilà. C'est important ce qu'on veut dire parce que quand des personnes de cet âge viennent sur la toile faire un témoignage et qu'elles décident de montrer les visages, parce que j'ai beaucoup insisté que je veux voir qui est cette personne-là. Donc, tu l'as invité visuellement, on le voyait, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. Mais c'est après que tu m'as dit qu'il vit en région parisienne. C'est là où je t'ai envoyé un voici, un certificat qui coûte ta mère. Je souhaiterais qu'on se rencontre, que je lui amène des preuves déjà de ce qu'il a raconté. Des preuves contraires de ce qu'il a raconté. Et je veux te remercier qu'hier tard dans la nuit, tu as fait écouter ce voice-là. Et j'espère aussi que ce voice, tu l'as lui envoyé pour qu'il prenne connaissance et qu'il prépare les preuves contraires de ce qu'il a raconté. Tu camère, tu es un père d'enfant. Tu as trois petits garçons mineurs. Aucun homme sensé, sauf s'il est stérile, donc ne connaît pas ce que c'est que la valeur de l'enfant, ne peut jamais se permettre de venir sur la toile dire que des enfants ont témoigné contre une autre personne sans amener la preuve. Ce Kamnia a dit que mes enfants ont témoigné contre moi que je battais les mères. J'ai dit, justement, ce voyage que ils n'ont jamais dit à la police canadienne que je battais les mères. Jamais de la vie. J'ai écouté la cassette que mon avocat m'avait fait écouter. Il n'y a jamais eu cela. Je te dis que s'il y avait eu cela et qu'il y a même les doutes évidentes. Pendant le procès, la juge femme allait dire, écoutez, j'ai quand même les éléments des enfants qui disent qu'il y a eu des violences dans le passé entre ce monsieur et sa femme, dont je veux condamner. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire pendant que les policiers, en interviewant mes enfants, voulaient savoir l'historique sur la vie de Mana Tonganès et moi, à ce qui concerne la violence. Mes enfants n'ont jamais dit. Et si ce Kanya a les enfants, je suis convaincu et que Dieu m'en garde. J'espère qu'ils ne vont pas hériter de ce gène de menteur. Nous devons fabriquer un monde sain. Merci. Nous devons éviter de faire attester des enfants des choses qu'ils n'ont pas fait. Et si ce gars dit qu'il est père d'enfants et qu'il est capable de venir s'asseoir, dire des choses mensongères contre les enfants d'une autre personne, il n'est pas un père. Parce qu'il doit avoir le réflexe de protection des mineurs. Tout parent doit avoir le réflexe de protection des mineurs. Merci. Que ce soit physiquement ou moralement, mentalement ou psychologiquement parlant. Merci. Si c'est appuyé
Si le mensonge demande à Tonganès, que fois de plus, il a prouvé qu'il n'est pas sage. Parce que lorsqu'une femme vient te dire des choses, et que peut-être cette femme te dit que les enfants ont témoigné contre le père, et que le père t'a quitté, mais tu racontes des conneries. Donc, en ce qui concerne l'historique de ma vie avec Mana Tonganès, l'histoire des violences, les policiers canadiens l'ont. Est-ce que j'avais l'histoire de violence répétée par moi? Vous voici. Même en témoignant avec mes enfants, j'aurais été condamné dans l'affaire criminelle que Mana Tonganès a fabriqué de toutes pièces de viol et de battement avec la ceinture. Donc la question qu'il m'a posée hier, si oui ou non je battais ma femme, était une question bête. Mm-hmm. Elle n'avait pas sa place. Mm-hmm. C'est pour ça que je n'ai même pas répondu. Mm-hmm. Mais il a prononcé le nom de deux personnes. Mm-hmm. Il a prononcé le nom d'un Willy Boko, mm-hmm, et un certain Jacques Yamdi en disant ceci. Que dans l'affaire de viol et de bastonnade avec la ceinture à Toronto, Jacques Yamdi était mon cautionnaire. Et qu'une fois que j'étais libéré sous caution, je pense, c'est chez lui que j'étais. Ce document que je t'ai envoyé de ta mère, en aucun cas, il n'y a le nom de Jacques Yamdi dessus. Je m'excuse, Jacques, que je prononce ton nom publiquement comme ça. Parce que je sais que ta voix compte dans les tribunaux canadiens et je vais l'expliquer tout à l'heure de ce que je parle. Mm-hmm. Il ne faut pas que des gens qui ne vivent que dans le mensonge, oui, dans la manipulation des délais d'entourage, mm-hmm, pensent que ça va passer partout. Mm-hmm. Le tout, c'est... Jacques Yamdi, mm-hmm, de la société Canora à Toronto, mm-hmm, n'a jamais été caution de le pont Alex sur l'affaire concernant le viol et le personnage que Mana la Tonganès a fabriqué de toutes pièces contre le pont. Du Camer, je t'ai envoyé la preuve de mon caution d'engagement. Il n'y a pas le nom de Jacques Yamdi dessus. La preuve est là. Il n'y a même pas son adresse dessus. La preuve est là. Le papier est là. Jacques Yamdi, c'est une personne dans la ville de Toronto, est très respectée. Merci. Sa voix compte dans, mmh, les tribunaux canadiens. Mmh. Et quand je te dis que sa voix compte dans les tribunaux canadiens, je sais de quoi je parle. Il va te bloquer. Mmh. Ce monsieur a un ONG qu'on appelle Canora, qui est depuis au moins 25 ans, pour ne pas dire 30 ans aujourd'hui. Toute la communauté camerounaise, ou africaine, ou asiatique, ou européenne même, de Toronto, qui est passée dans cette association, a eu des kaolo par lui. Mm-hmm. Je n'ai jamais vu un être humain aussi disponible que ce garçon. Voilà. Je venais de la France, du Cameroun. Et tu sais qu'en France, il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de fils. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté la vie. Terriblement. Tu peux être avec des gens comme ça, tu penses à ce qu'ils aiment, ces gens t'aiment. Mm-hmm. Alors qu'en réalité, ils sont des jaloux. Ils veulent que tu avances. Ngoye en tête. Et qu'ils n'avancent pas. Mm-hmm. Donc je suis venu avec une forte expérience de protection. Mm-hmm. De l'Europe. Je ne venais pas d'Afrique. Je venais de l'Europe pour la France. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est affaire de violence conjugale, je sais tout ça. C'est pour ça qu'au Canada, j'étais très prudent dans plein de choses, ouais, qui se passaient. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Je venais de l'Europe avec forte expérience et reconnaissance dans toutes ces histoires que les gens pouvaient fabriquer. Ouais. Les gens. Donc, comme Toto. J'ai rencontré Jacques Yamdi. Ce garçon, il n'y a pas son deux. Mm-hmm. Parmi tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, mm-hmm, il n'y a pas son deux. Ouais. Je répète qu'il n'y a pas son deux. Et je vais te dire pourquoi il n'y a, mm-hmm, pas son deux. Mm-hmm. Il y a très peu de gens qui sont aussi disponibles que ce garçon déjà qui a dit. Je n'en avais jamais vu dans ma vie. Mm-hmm. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité un seul instant lorsqu'il a fait un clip, parce qu'il est aussi musicien, en, mm-hmm, passant. Si je cherche un emploi, tapez dans YouTube, vous cherchez, vous tapez Jacques Yams. Jacques comme Jacques Yams. Yes. Y-A-M. Jacques Yams. La fabrication je de Jacques. Je cherche un emploi, le titre. Vous allez me voir, moi le bon. J'étais l'acteur principal. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a une femme blanche. C'était ma directrice des ressources humaines dans la boîte informatique dans laquelle j'ai commencé à travailler au Canada.
une femme d'origine grecque. Quand je lui ai demandé que je souhaiterais qu'un ami à moi qui fait de la musique puisse simuler normalement une affaire de recherche à l'emploi, on voulait quand même un bureau, une personne qui pouvait vraiment faire passer l'affaire. Il m'a dit, Alex, you know what? You are one of our great employees, you know? We cannot refuse you. Oh, the English. Oh. If you want to please, you marry the macro. Go ahead. Marie de Marco. J'étais surpris. Donc, de par ma compétence professionnelle, on n'a pas hésité que j'introduise ce Jacques Yam dans ma boîte pour faire ce clip. On l'a fait après le boulot. Les gens ont pris de leur temps parce que je respecte ce gars. Et il y a très peu de Tambournais qui le font. Amener les gens dans leur boîte qu'on fasse un clip. Je l'ai fait moi le bon. Parce que j'ai assez fidèle dans ma vie avec les gens. Ouais. Quand quelqu'un te fait du bien, rends-le-lui. Terriblement. Quand quelqu'un veut te faire du mal, bloque la personne. Si tu peux répliquer, réplique. Terriblement, moi, il réplique en gros. Pour moi, c'est la loi du talon. Le bien va par le bien, le mal va par le mal. Je suis comme ça, c'est ma nature. Et on ne peut pas me l'enlever. Parce que ce n'est pas sur terre que Dieu viendra me sauver. Amen. Je sais que sur terre, ce sont les hommes. Je n'ai pas vu ce Dieu. Amen. Donc, quand quelqu'un s'attaque à moi, je réplique contre la personne. Propre, comme la voilà ma nature. Bio. Donc, ce jeune homme dont je suis en train de parler là, ce qu'il m'a fait dans ma vie, je ne peux jamais oublier cela. Et je vais vous expliquer. Je me retrouve à Toronto en train de vivre avec Nia Madeleine. Nia Madeleine, c'est la maman soi-disant biologique de Mana Tonganaise. Cette femme s'est retrouvée du jour au lendemain à la rue, dans la rue. Parce qu'elle fut invitée par sa fille, la soeur de Mana, qui l'a mise dehors. Voilà. Et je l'ai recueillie. Ma mère, ma femelle, ayant vécu en France pendant 8 ans, je lui ai fait savoir qu'écoute, lorsqu'une personne âgée vient vers toi, avant de l'accueillir, il faut que tu lui fasses un check-up de santé. C'est hyper important. C'est tout ce qu'on peut offrir à nos parents quand ils viennent en Occident. J'ai pris l'affaire sur moi, alors qu'il venait d'arriver au Canada. Ça fait même pas 2 ans. Ça fait même pas 2 ans. Et je l'ai amené qu'on lui fasse un check-up de santé. C'est là où on a découvert que c'est Nia Madeleine avec l'hépatite C. Et le médecin de famille nous a dit que ici au Canada, ça coûte très cher. Ça coûte 60 000 $ pour en fait soigner cela. Et comme elle n'a pas les papiers, on va faire comment? Vous imaginez, vous venez d'arriver. Vous n'êtes pas encore installé. Et du coup, vous avez un colis comme ça qui vous tombe. Vous allez faire comment? Je suis quand même un Africain. Une maman qui ne sa fille, sa propre fille chasse. Moi, je récupère. Tu me dis non. Voyons exactement si ça sentait avant d'aller avant la même méchant. Donc, pour moi, c'était le but. Que s'il y a un problème, on soigne, après, il rentre. Malheureusement, la maladie qu'il avait, il fallait qu'on la soigne vraiment. Du coup, j'ai usé de mon intelligence intellectuelle. Yes. J'ai monté un dossier yes. en béton. Pourtant, c'est cette soeur qui m'a été invitée. Mais j'ai réussi à monter un dossier pour que cette femme puisse avoir des taulos sans que la soeur qui m'a eu intervienne de près ou de loin. C'est ça qu'on appelle aller à l'école. On ne part pas à l'école pour venir faire des bruits sur Facebook. Voilà. Ou insulter les gens. Yes. Quand il s'agit des choses importantes, tu mets cela en tête. Aîné. C'est ce que j'ai fait. Mais je manquais la connaissance du terrain. Je prends mon sangria. Et Dieu merci, ce Jacques Yamdi était à côté de moi. Auprès de sangria. Moi. Ou était avec moi. Ce garçon, ce qu'il a fait pour Nia Madeleine, je le dis aujourd'hui, ceux qui vont rencontrer ce garçon à Toronto, et que Nia Madeleine est le maire ou le tante, aille s'asseoir et dire que merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'il a fait pour ses mamans. Je n'avais pas le temps physique. Il prenait la maman. À chaque fois qu'il y avait des convocations au tribunal, un peu partout, à chaque fois qu'il y avait des trucs, il amenait la mémé reconte. Sangria. C'est du jamais vu chez les Camerounais. Ce garçon a fait ce que je ne pouvais pas imaginer qu'un Camerounais pouvait le faire au pays des Blancs. Ce garçon l'a fait. Tout ça, je témoigne. Et je n'accepterai jamais que son nom soit associé à une affaire dont il ne s'est pas impliqué. Voilà pourquoi je dis tout ça. C'est important ce que je suis en train de dire. Il s'appelle Jacques Yamdié. Il a un société qu'on appelle Canora.
On te salue. Sur Internet, vous allez voir. Salut, Jariam. J'ai eu à écrire des rubriques informatiques. Vous allez voir. Si on parlait informatique. Je me suis pourquoi, monsieur. Et dans ce genre canora, j'ai même parlé de moi à l'intérieur. Sur ma vie. Où je travaille. Oui, santé. Donc, je me dis par là que je ne suis pas dans la fabrication. Je ne suis pas là pour fabriquer les choses. Donc, quand une personne veut vous poser une question, ben, je suis désolé. Tu te prends la chance à voir si une personne est intelligente. Ouais. Donc, voilà ce que ce Jacques a fait pour moi. Et quand quelqu'un fait ce genre de choses pour toi, et que tu as l'opportunité de lui rendre, tu le fais. Si même Jacques Yams m'a fait jouer un film à Toronto, il m'a fait jouer un film, j'étais un acteur d'un film. Oh, le bon. C'est un monsieur passe-partout. Oui. Il m'a fait jouer un film à Toronto. Oui. Linga, il ne juge personne. Il a été financé par la ville de Toronto. Passe-partout. Oui, monsieur le bon. Il avait un partenaire. Mon ami. Et il voulait un acteur. Il a insisté qu'il soit l'acteur. Voilà. Comme tu as fait docteur. Oui. Tu ne peux pas comme accepter on colle sur le nom de cette personne-là sur une affaire dans laquelle il n'a pas intervenu de plan de loi. C'est ça. Donc je ne pouvais jamais accepter que ce Kamia vienne salir le nom de Jacques Yamdi. C'est ça. Je te dis, je répète tout à mère. Jacques Yamdi, sa voix compte dans les tribunaux. Gérer un ONG pendant 30 ans au Canada. Il faut le faire. Passer à voir les gens des paroles dessus. À chaque fois qu'il passe quelque part, il parle quelque chose, on sort ses références. Donc il ne faut pas que les gens viennent mentir des choses. J'ai une chance énorme dans ma vie d'avoir rencontré ce monsieur. Il a été hyper important pour que la mère de Nia Madeleine puisse, que Nia Madeleine puisse avoir les paroles à Toronto. La mère biologique. Ce garçon a été disponible. C'est un garçon du secret. Si lui dit sa chose, elle ne sort pas. Voilà. Voilà ce que je reconnais en lui. C'est rare chez les Camerounais. Ouais. Je reconnais ça en lui. Donc quand ce garçon vient dire des choses. Camerounais sont mythos, comme Goy. Par rapport à lui, qui sont mensongères. Et Toto. Je n'accepte pas cela. Je m'excuse, Jacques, d'avoir prononcé ton nom, si tu entends un jour. Mais sache que je ne peux jamais oublier ce que tu as fait pour moi à Toronto. Jamais de la vie. Oui, on n'oublie jamais le bienfait. Jamais de la vie. Jamais. Il faut être un diable. Oui, comme Toto. Pour renier cela. Voilà. Mais je ne vais jamais accepter que toi, tu as été caution de mon affaire de viol et de bastonnade. Jacques. Tu n'as pas été dedans. Tu es mon beau Jacques. Tu es aussi dans une affaire mensongère. Tu es mon affaire, Jacques. Donc, je suis convaincu un jour qu'il va écouter ce voice. Je suis sûr que tu fous ma bonne. Si ce Kamia-là a les preuves de ce qu'il raconte, Kamia. S'il n'a pas les preuves de ça, s'il te plaît, prends ton temps aujourd'hui ou en semaine. Et fais écouter ce voice que ce que Jam Yam Dien n'a jamais été mon cautionnaire sur l'affaire de viol et de bastonnade contre que Manatoanès a inventé contre moi au Canada. Il n'a jamais été. La personne sur le document que je t'ai envoyé normalement, ce n'est pas le nom de Jacques Yam Dien. Et la pièce qui est à l'intérieur, ce n'est pas la pièce de Jacques Yam Dien. Dans un coin de mon chat. J'ai voulu t'envoyer cette preuve matérielle pour que ça reste avec toi dans le temps et dans l'espace, que ça soit intemporel. Exactement. À tout moment qu'il aura un document contraire, qu'il amène. Et on va débattre ce document complet. Qu'il aura. Mais qu'il n'associe pas Jacques dans cette histoire de faire le bastonnade. Ouais. C'est pas sa moralité. Je ne le reconnais pas comme ça. Parce que je dis, je répète que ce garçon, ses voix comptent dans les tribunaux. Parce qu'il a une référence. On se lève un matin pour gérer l'ONG pendant 30 ans. Voilà. Il a une ONG qui date minimum de 25-30 ans au Canada. Donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience sur le terrain. Donc, il ne faut pas que des petits voyous de la région parisienne s'élèvent et commencent à vomir le nom des gens comme ça, sans preuve. Maintenant, je vais revenir sur ce Willy Bogo dont il a prononcé. Willy Bogo, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Dans le sens que il est le grand frère d'un ami à Toronto. Et cet ami, normalement, c'est quelqu'un que je connaissais au Cameroun. Et quand il dit que je connais pas, ça dit par là que c'est pas quelqu'un que j'ai connu comme ça. Parce que c'est quelqu'un normal au quartier est vite entré dans la mer ou bien je ne le connaissais pas en tant que tel. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, il s'est présenté auprès de moi comme le grand frère de telle personne.
Et il a appelé la personne. Et c'est là où, en fait, en grosso modo, j'ai su. Mais c'est pas quelqu'un qui était au Cameroun que je connaissais dans ce sens que, voilà, j'avais vu faire les choses. Non. Mais je connaissais ses petits frères sans avoir réellement un certain rapprochement avec lui. C'est à Toronto que j'ai eu à mieux le connaître, mais malheureusement négativement. C'est à Toronto que j'ai su qu'il était dans l'armée. Mais ce que Willy Bouba a fait par rapport à moi, c'est incompréhensible. C'est que ce qu'il a posé comme acte, c'était l'opposé total de Jacky Amdié. Comment un grand frère, quelqu'un qui dit qu'il a vu Pépé, comme je dis que je ne le connais pas, effectivement, quand t'es plus jeune, normalement, c'était le grand frère du quartier, mais son fils ne me disait rien. Donc, il me dit qu'il m'a vu Pépé. Comment quelqu'un a dit qu'il a vu quelqu'un Pépé? Il vient chez moi, père de famille, il me voit avec les enfants, mon fils avait peut-être 3 ou 4 mois. Et utilise ma carte bancaire à mon insu et contre mon consentement. Mm-hmm. Je découvre cela par hasard. Mm-hmm. Quand je le confronte, il me met à m'insulter. C'est incroyable. Voilà ce genre de Camerounais dont Kamnia est venu sur Internet dire que je connaissais comme s'il représentait une valeur morale. Mais non! Mais non! Je me souviens que quand je causais avec ce garçon, ce monsieur-là, parce qu'il a moins de 10 ans ou 15 ans, plus que moi, je pense. Parce que c'est un vieillard. Il s'est mis à me dire comment il faisait des business sur Internet. J'ai eu peur. Ça m'a projeté sur la vie des gars qui font le tiers sur le net ici. Avec l'expérience ou le problème que j'ai amené, j'ai dit un jour, avant la tournée, s'il te plaît, c'est n'importe qui, parce que je n'ai pas voulu en fait l'incriminer par sagesse, si n'importe qui, même ma mère, vient te dire qu'il ou elle veut faire un achat sur Internet et utiliser l'adresse pour recevoir le colis, refuse. Quand l'affaire du vol de ma carte bancaire s'est révélée, c'est là où la journaliste m'a dit, ben tiens, il parle, lui, pour que tu es venu le voir, pour que quand tu vois comme ça, je veux faire des achats sur Internet et je souhaitais les recevoir chez toi. Et je lui ai dit non. Et il lui a dit, mais va demander à Alex. Il a dit, c'est pas grave. Il n'est jamais venu me demander. Donc, en fait, voilà quelqu'un qui est avec toi, mais qui te tue à petit feu. Tu vas te plaindre qu'on a volé ta carte bancaire, mais tu ne penses pas que c'est lui qui est en face de toi. Voilà le vrai Camerounais typique. Empoisonneur, criminel qui est Willy Bobo. Un ancien militaire de l'armée camerounaise qui a fui pour être réfugié au Canada. Et qui ne vit que du vol, Willy Bobo. Voilà ce qu'un gars comme Kanya vient me dire comme référence. Moi, le bon, je le dis. Parce que j'ai les preuves de ce que je dis. D'accord? Voilà. Donc, c'était important que je te réponde. Je t'ai envoyé un voice de presque plus de 25 minutes. Je souhaiterais que tu envoies ça à cet homme-là et qu'il t'envoie la preuve contraire que ce que j'ai envoyé comme document à toi n'est pas vrai. Ce document, ce voice plutôt que je t'envoie, je veux aussi l'envoyer à le bien, que le partage à qui le veut. Et je te donne l'autorisation de partager ce voice sur Internet que les gens écoutent. Et que cet homme-là à les preuves que mon fils, mes enfants ont témoigné contre moi au Canada, que j'ai battu les femmes, qu'il a mis ses preuves. Mais oui. S'il n'a pas ces preuves-là, il n'est pas digne d'être un père. En disant qu'il est père, c'est faux. Un père ne peut jamais inventer un mensonge sur l'enfant d'un autre. C'est vrai. Un père responsable ne le fait pas. S'il est père, c'est simplement parce que peut-être qu'il a eu un acte sexuel et qu'il a eu des spermatozoïdes normaux qui sont féconds, il a fait des enfants. La paternité, c'est d'abord suit la moralité. Un père doit d'abord par défaut protéger ses enfants, c'est la même chose. Donc tu ne peux pas dire que tes enfants ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc en disant que mes enfants témoignent contre moi, il a menti. Parce que j'ai la cassette du témoignage de mes enfants policiers au Canada. Dans cette affaire de viol et de passage avec la ceinture. Ils n'ont jamais dit cela. Et Camille a dit cela, en montrant son visage, il a voulu jouer sur le moral des internautes. Et je t'ai envoyé la preuve de la caution d'engagement de cette affaire de viol et de bassinage dans laquelle tant que femme pour Paola, alias Manatonaise, a fabriqué contre moi. Mm-hmm. Et dans ce document, il n'y a pas le nom de Jacques Yamdié dessus. Encore moins son adresse. Où je disais que je vivais là-bas. Ce garçon est un menteur. C'est un manipulateur,
Il a fabriqué ses mensonges de bout en bout. Il ne sait pas que les mensonges, un mensonge, c'est un ensemble de petits mensonges. Mm-hmm. Comme on dit en anglais, if you cannot be trusted on the small matter, you can't be trusted on the big matter. I am telling you. Si tu ne peux pas, on être ne peut fidèle pas te croire oui. sur une affaire dans les petites choses, on ne peut pas te croire dans les grandes choses. C'est une grosse affaire. I'm telling you. C'est ce que that's je te dis, true. Yeah, that is true. Et si le document que tu as reçu donne le contraire de ce que Kamia a dit, s'il te plaît, je souhaiterais que tu viennes te dire que, écoute, Kamia, tu as dit que M. Certain Jacques Yamdi a été caution dans le sang ou de le pont dans l'affaire Mana-Togolaise de viol et de bastonnage. Ce que tu dis est faux. Le pont n'a pas pété là-bas dans l'affaire de viol et de bastonnage. Le nom que j'ai ici, ce n'est pas le nom de Jean Yamdi. Et la tête que j'ai ici, normalement, envoie-moi les tests que tu as, je veux comparer. Donc, si tu n'as pas les preuves, tu as menti contre le nom de ces personnes. Et je ne veux pas que mon mur serve de mensonge, de relais de mensonge contre des gens sérieux. C'est tout ce que je peux te demander, petit frère. J'ai beaucoup de respect pour toi. Je n'accepterai pas que les gens mentent sur le nom des enfants. Je ne vais jamais mentir sur notre enfant. Je ne veux pas que quelqu'un que je considère comme un ami puisse valider que une personne puisse mentir sur le nom de mes enfants. Merci et à bientôt. Tada! 28 minutes et 27 secondes. Voilà. Bon, that's the point. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, à combien serez-vous fidèle dans les grandes choses? That's the must. That's the true talk. C'est la vérité. Et on en a plein sur le net. Je vais d'abord répondre à la question des gens qui se demandent pourquoi je me mêle d'une affaire de couple. Je vous rappelle, je suis une accompagnatrice en gestion matrimoniale et développement personnel. Et quand quelque chose n'est pas bon, ou quand quelque chose n'est pas acceptable, ou ça dépasse la limite, je dois parler. D'abord, même quand un mari a tué une femme, c'est ce qu'il a fait. Mais sur ce cas bien précis, je vais vous inviter mes fans, ma crème de la crème, qui sont minés. Vous êtes même très nombreux aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça arrive jusqu'à Tonga Village. Tous les villageois de Tonga doivent sortir. Le coin de rue de village, là. Vous comprenez, non? Quand quelqu'un, comme je vous ai montré le document, donc, et le cautionnaire de Monsieur Le Bon Saint, c'est un Léonard. Je t'ai le nom, je t'ai le prénom, je t'ai le nom de famille et tout. OK? Et il faut que vous sachiez que il a bien précisé que Ducamer a des preuves. Et l'adresse de résidence, si un document truqué arrive à Ducamer venant de Kamia, l'adresse de résidence de Le Bon, c'est 107 Spencer Avenue à Toronto. C'est là où il habitait. 107 Spencer Avenue à Toronto. Oui. Vous comprenez, non? Et le cautionnaire est à Mississauga. Vous comprenez? Il vivait. On ne sait pas où il vit maintenant parce qu'on parle d'une affaire qui date de 9 ans. 8 ans, 9 ans. 2016, 2015, 2000. C'est les années là-bas, passées là. 7 ans, 6 ans, je ne sais pas. C'est longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui là. On est cependant le réchauffer. Vous comprenez? Et Kamia, tu as beaucoup menti. Tu as beaucoup menti. Tu es rentré dans un truc. On t'a vendu ce qu'on t'a vendu. Tu as pris, tu as usé de tact, tu es rentré dans le direct et tu as pondu beaucoup de choses. OK? Et l'affaire, il est à noter que l'affaire Mana la Tonganaise et Le Bon date de 2012. Nous sommes en 2021. Donc, on est déjà à 9 ans. L'année prochaine, ça va être 10 ans. Que Mana rêve toujours que Le Bon lui reviendra. Tani imaginaire lui reviendra. Excusez-moi, je suis en train de fumer le ngoy. Je fume le porc, l'ongoy. Voilà. Quand c'est l'été, là, je fais mes choses. Je discute avec personne. Je suis dans ma cour et je fume l'ongoy. Quand c'est l'été, je fais mes choses. Voilà. Je fume l'ongoy. Donc, je suis un peu busy à fumer l'ongoy. Donc, les gens qui demandent de savoir pourquoi je me mêle, en quoi je me mêle, là, c'est une affaire de couple. Donc, je vous invite à aller sur le mur de Mana la Tonganaise, citron vert officiel. À vous promener, à descendre sur le mur, loin, 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 en bas, en bas, en bas, en bas, en bas.
bien descendre sur son mur. Vous verrez, n'est-ce pas, en bas dans son mur, il y a un an. Descendez jusqu'à un an ou jusqu'à deux ans. Et nous, je vous invite aussi à aller sur mon mur à moi. La reine mère bio, la maman, la motivational speaker, celle bénie en arrivant, bénie en partant, celle que tout ce qu'elle touche se transforme en or, celle qui prend la fête de quelqu'un, elle fait comme si c'était pour elle. Ok? Donc, exactement, en fait, elle dit quoi? Je vais répondre à ta question après, Anne. S'il te plaît, donc laisse-moi d'abord finir. Je veux que vous promenez, vous regardez les différentes attaques que je subis. Ça, c'est sur le mur de Mana, sans compter les faux profils qu'elle a créés pour me détruire depuis longtemps. Ceux qui connaissent savent. On parle de 5, 6 ans, 7 ans. Voilà. Et Annie Koulibaly, quand tu dis la sorcière, tu t'adresses à qui? Parce que je peux te bloquer très vite là. Moi, je n'ai pas besoin de trop de gens dans mon direct. Si la phrase n'est pas sujet, verbe, complément, je bloque. Je ne discute avec personne. Administrateur, bloque-moi Annie. Attends, dès que Annie confirme, tu la bloques. Une phrase qui n'est pas sujet, verbe, complément, elle a à mon sens, parce qu'ici c'est mon mur, je bloque. Allez pondre ça chez Toto. Allez m'insulter comme vous voulez, là, des vidéos, des caricatures, des photos de moi, un an, deux ans. Descendez. Mais allez là-bas, vous mettez tout ce que vous voulez. C'est un mur fait pour ça, pour proliférer votre haine. Je vous invite à aller regarder son mur et à voir les sommes des postes qu'elle a eu à faire sur moi. Et à me dire, si on changeait de place, je sais que vous préférez votre place, vous préférez vos statuts, vous préférez vos... Attends, il parle à moi. Donc, attendez, je le bannis une fois, c'est bon. Vous savez, je sais quand il y a sujet, verbe, complément, je comprends très vite. Je ne lis même pas le commentaire. Donc, allez proliférer vos haines là-bas. Allez me caricaturer, allez me traiter de toutes sortes de choses. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez? Ce problème de Mana la Tonganaise, je suis dessus parce que Mana ne m'a pas donné de répit. Mana est sur moi depuis 6 ans. Mana a harcelé, lynché ma famille, faux profil, vrai profil, dans tous les domaines possibles, dans tous les rebords. Si j'étais une personne qui se taisait, qui fonctionnait dans le silence, Mana n'allait pas me lâcher pour pareil. Parce que Mana, c'est une personne, quand elle prend un sujet, regardez, ça fait 9 ans que le mari est parti. On est encore sur ça comme s'il est parti il y a 2 jours. Vous comprenez, non? J'ai dit, on est encore sur ça comme s'il est parti il y a 2 jours. Mais je suis allergique aux Français, pète, Olga, il faut les préciser ça. Celui qui parle mal, je le bloque. Moi, je veux la crème de Facebook. Les voyous, les bordels du net, j'en ai pas besoin. La bande Angoy, j'en ai pas besoin. Du tout. Et Kamia, maintenant, je viens à Kamia. Kamia, vraiment, ogre, mémoire courte. Hein? Tu es vraiment, c'est-à-dire que hier, là, je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Donc, je suis sur ce dossier jusqu'à la terre finie. Celui qui ça choque, je parle de ça. C'est-à-dire que c'est de bonnes guerres. Vous avez vu la guerre, quand les Français, les guerres des Allemands, la guerre de ceci, de cela. Vous pensez que quand on a quelque chose qui peut être, n'est-ce pas, une pièce à conviction, ou bien un sujet, ou bien une pierre angulaire, là on va passer pour mieux combattre la version, on va laisser parce que quoi? Parce qu'on a peur d'elle. Elle, c'est qui? Je suis ce Toto Balata, mes deux pieds sont ici. Mes piquets, je suis debout comme ça, sur ses épaules, je suis sur ça. Le dossier, s'il m'intéresse. Vous comprenez, non? Je ne laisse pas. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Alors, je suis sur ça, balle au pied. Mes fans étaient trop choqués. Des mois, des semaines, ils disaient toujours que ma reine, mais qu'est-ce qu'elle te prend? Ma reine, mais elle te publie. J'ai dit, c'est pas grave, laissez-la. Elle va mourir dans son film. Mais finalement, là. Maintenant, je suis devenu même acteur principal du film. Et je vois les affamés du net que j'ai essayé d'amener pour qu'on les éclaire leur lanterne. J'ai amené des bien gens les trouver. Et j'ai vu qu'ils ont fait de la récupération. J'arrive. On va parler juste. J'ai le temps, mais. Je fais le feu. Je fume l'ongoy. Je suis en train de fumer l'ongoy en même temps. Mais c'est moi. Est-ce que ma vie est seulement pour Facebook? Je me lève le matin, j'ai une feuille de route. Je vais dans mon jardin. Je fume l'ongoy. Je ne dis ça aux jamais. Donc, je fume l'ongoy, excusez-moi. Donc, comme j'expliquais tantôt, vous pensez que une femme va se lever sans être amie à quelqu'un, décider de détruire la personne, détruire sa famille, détruire, ça dit saboter, salir, vilipender, lyncher, matin, midi, soir.
quelqu'une qui n'est même pas son amie. Et la personne va la laisser. Vous pensez qu'on peut faire ça? C'est-à-dire que je veux voir que Mana entre bouffer un djangui costaud comme ça, un djangui qui date de 9 ans, mais qu'elle ment, elle tourne tout ce qu'elle... Je vais laisser. Parce que non, c'est quand même affaire de mariage. Je dois plutôt parler de ceci, mais je ne dois pas parler de cela. Qui vous a dit qu'il y a la sélection dans ça? C'est de bonne guerre. Et surtout qu'on voit tellement de mensonges et états mensongers. Revenons à Kamia. Kamia, je wanda sur quoi? Tu as vraiment la mémoire courte. C'est vrai que tu es dans la team de merde, des voyous et voyoutes du net, des bordels, des prostituées du net. C'est vrai que tu es dedans, mais on dirait que tu n'as pas appris, quoi. On dirait que même le lynchage que j'ai subi, tu n'as pas appris. Et on dirait que Mana, je ne sais pas comment elle t'a amadouillé pour te donner une nouvelle version. Ce qui m'étonne, ce qui me surprend beaucoup, c'est que ce que Mana t'a dit, que tu as répété là, ce n'est même pas ce qu'elle m'avait dit à l'époque quand elle me parlait encore au téléphone. Parce que Mana, c'est une relation du téléphone avec moi. C'est une couple d'années. C'est une couple d'années téléphone, pas plus. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'elle a dit à la dame qui est intervenue chez Ducamel. Le direct était un peu brouillé. Le direct parlait, mais on entendait wow, 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 c'était brouillé là. C'est pas la même chose que Mana lui a dit. C'est pas la même chose que Mana elle-même a fait le direct. Je vous invite sur YouTube dans les archives. Allez écouter. Et a dit de son histoire sur cette histoire de son mariage et de viol et des cautionnaires et tout ça. Donc, ta version, ça dit qu'elle a fabriqué quelque chose pour venir plier le match. Vous savez quand le match. Quand on est en train de jouer un match, parce qu'on tapait Mana Sandam, Mana avait à danser, Mana a appelé ici au Canada pour dire que cette fille-là, elle va sûrement devenir folle. J'ai dit comment ça? On dit que parce que tous les danses qu'elle danse là, ce n'est pas des danses normales. Ou elle est déjà en dépression, aussi, ou ça. J'ai dit comment on fait son lit, on s'y couche, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si elle est folle, si elle n'est pas folle, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Est-ce que moi, elle m'a donné le crédit? Mana est venue ici, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas posté sur moi? Mes fans savent, ma famille sait ce que Mana a fait sur moi. Ce que Mana a fait pour me détruire. Elle n'a pas arrêté. Elle n'arrête même pas de déchanter. Elle est encore sur ça. Ma famille sait. Mais heureusement que je suis... ma chérie Ernestine dit que dans le clash, on frappe l'adversaire où ça fait mal. Que je ne trie. Je vais pas porter. Je vais porter les gants pour parler. Ça que j'ai peur de Mana. Je réponds. Je suis fière. Ça dit que monsieur Le Bon, vous avez raison de A à Z. Je me mets à la place de votre maman. Je me mets à la place de votre soeur. Je me mets à la place d'une maman qui a fait des garçons. C'est-à-dire, si je suis une maman qui a fait des garçons, je n'aimerais pas que mon fils vive ça. Je n'aimerais pas que... J'ai deux frères, ils sont ici au Canada. Je n'aimerais pas que mes frères vivent ça. Qu'une femme fasse ce qu'elle a fait là à mes frères. Je n'aimerais pas ça. C'est-à-dire que même mon père, même mon, je sais même pas, mes oncles, mes tantes, mes, tout ce qui est homme que je connais, même mes amis garçons, je n'aimerais pas qu'ils vivent ça. Le bandit d'Abel a vécu le calvaire. Le bandit d'Abel sort de loin. Et c'est important que le monde entier le sache. Il vous a dit, il est quelqu'un qui ne recule devant rien pour s'exprimer et dire la vérité. Il ne recule devant rien. Ça veut dire qu'il est mieux même vous couper sa tête. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il est juste incompris. Et il a en face de lui les voyous du net, les bordels, les prostituées du net que vous êtes. Oui, c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de truc. Parce que Mana, c'est quoi? Elle a sorti maintenant, Kamia est venue hier, Kamia a fait, comme on joue souvent le ballon, il y a peut-être un match. Vous voyez comme la France qui jouait dernièrement contre quelle équipe là? Que Monzan m'a clashé là-bas jusqu'à la veuve. La France jouait contre quelle équipe? Ils faisaient comme s'ils étaient entre gaillots, puis on les a battus. Que le match s'est plié, puis on a marqué, égalisé, battre, voilà. Ce que Kamia fait, ce qu'on appelle plier le match. Donc venir changer la donne. Et moi, j'ai un problème avec du caméra. C'est là où je vous dis, les gens s'autoproclament influenceurs, blogueurs, parce qu'ils se sont assis, ils ont vu le nombre d'abonnés. Nombre d'abonnés ne veut pas dire que tu es influenceur. C'est que tu es suivi, certes, mais tu n'es pas un influenceur qui a mention au caractère. Moi, je peux vous dire que je suis influenceur, je suis blogueuse, parce que quand elle m'assoit pour parler, on sait où je vais. Voilà, la Suisse, merci ma chérie bonté. Quand je m'assois pour parler, on sait où je vais. Je vais cause, thèse, antithèse, je vais cause à effet. Je ne parle pas du coq à l'âne. Hier, j'étais dans un parc. Les gens qui venaient me parler me disaient, madame, quand j'écoute les directs de toutes ces femmes qui vous achètent, mais je n'arrive pas à les cerner. Prenez un peu des formations, de syntaxe, de phrases, de contenu, sujet, verbe, complément. Venez pas juste sorcière, fou. Faites la phrase comme celui qui a dit sorcière. Est-ce qu'il dit sorcière à qui? S'il dit à Mana, j'en ai rien à foutre. Mais s'il dit à moi, il est bloqué d'office. Je ne cherche pas à avoir trop d'abonnés. It's what I'm talking about. Vous comprenez un peu? Donc, ces genres de personnes. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont passer, puisque les réseaux sociaux, c'est comme ça, s'en va. C'est comme, c'est-à-dire, à ce moment, la poussière du passage de Kamia est rendue dans les villages de Tonga. Tout le monde entend dire que, yeah, donc finalement, ce n'était pas ça. Hein. Donc finalement, il battait la femme là, yeah, la femme là a souffert. Je suppose soutien. C'est comme ça. Le match s'est plié. Et les mouches métastasées aveugles. Vous avez insulté votre docteur qui vous faisait les grands messages pour faire l'apologie de votre putain de star. Je suis très contente d'assister à ce genre de masse, c'est-à-dire que de versement.
le monde entier sait qui vous êtes. Donc vous êtes maintenant sur le bondi d'Abel. C'est malheureux. C'est honteux. C'est honteux, c'est malheureux. Les mouches métastasées. Vous devez avoir un peu de retenue. C'est vrai que votre patronne avait un peu joué ça, avait un peu comme si philosophie, comme là, elle a fait une sortie là, comme elle croquait souffle, comme elle avait fait mes premières vidéos, elle faisait comme si elle parle, mais c'est tout comme, mais par manière. Mais vous, les voyous et les prostituées du net, qu'en avez-vous fait? Même pas 24 heures, les posts de ça, les injures de ça, à votre docteur national, international, Facebook, l'hypocrisie, le mauvais que... Les mouches, on vous a vu. J'étais bien contente. J'ai pris mon pied. J'ai dit, j'ai pris mon pied. Chez nous, on dit, ce qui avait fait la prune va faire le noisetier. Ce qui avait fait la prune va faire le noisetier. Parce que le noisetier poussait autour du prunier. C'est-à-dire quand le prune, parce que les pruniers là que vous voyez, après 10 ans, ils ont les fruits avec les taches. Quand les taches ont commencé à sortir sur le prunier, le noisetier sortait toujours normal. Il regardait, il disait, hey, les taches sur les prunes, ils sont laides. Gna, gna, gna. Sans savoir qui tire ses ressources dans la même terre que le prunier. Un beau matin, les qualités de noisettes qui sortaient maintenant. Quand le truc a pris le noisette, la noisette est morte une fois. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes quelque part, ma feu mère le disait, paix à son âme. Quand vous voyons s'asseoir sur quelqu'un, on décortique, préparez-vous déjà parce que votre tour arrive. Ce qu'on est en train de faire, on va faire la même chose parce que c'est leur style de vie. C'est leur façon, c'est-à-dire c'est une machine. Ils sont comme ça, c'est le rouleau compresseur. Ils n'arrêtent pas. J'espère que monsieur le communicateur, Jean Cancan, j'espère que tu as fait des posts pour soutenir le bon. On est à 24 heures. J'espère, avec divertissement, je m'adresse à vous, je suis dans votre team de merde. J'espère que Jean Cancan, tu as fait les posts pour soutenir le bon. Parce que vous avez fait le bon hier, là. Les coups de fil, que je me suis développé le matin, mon téléphone vibrait comme ça. Je dis que Mave, qu'est-ce qui se passe là? C'est grave. J'ai dit que même ceux qui ne parlent pas de... Parce qu'ici, là, j'ai des amis réels. Ils ne parlent pas du vide. J'ai dit que des choses de Facebook, là, ça reste là-bas. On a débattu ça avec ceux qui ne parlent pas du vide. J'ai dit de A à Z. J'ai dit bien de A à Z. Parce que c'est nauséabond ce que vous avez servi à votre docteur national. Celui qui a payé de ses poches, de sa présence, de son image, de son soutien. Abeille mouton analphabète. C'est malheureux. Envoyez les cœurs pour le bon. Le mari de Mako. Envoyez les cœurs pour le bon. Le bon est juste incompris parce que le bon n'arrive pas à bien formuler. Et le bon allait passer sur une télé d'un influenceur, un bracata. Du camé, tu dois faire une formation. Cherchez les coachs qui font les formations, les formations pour influenceurs, pour que du camé se recycle. Parce que, franchement, à longueur de journée, je suis sur la toile, tout mou. Je viens de me connecter, elle dit qu'à longueur de journée. Je viens de me connecter. Dites-moi un peu, Rebecca, qui là? Je ne suis pas une femme marine. Tout mou. Je suis mariée. Mako est mariée. Le bon est marié. Ben, il est là. Je suis là. Je suis terriblement mariée. Voici mon alliance. Le nom de mon mari est écrit dedans. Je suis ici, je parle. Tu as compris, non? Imbécile. Tu es une femme mariée. Tu es là. Tu es imbécile. Qui vous a dit qu'on est marié? On fuit Facebook. Allez enlever Donald Trump sur les réseaux. Allez enlever les premiers ministres, les présidents. Tout mou. Enlevez Chantal bien dessus. Elle-même, elle n'est pas mariée. Imbécile. Bon, on continue. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je vais fermer le direct si vous n'envoyez pas les cœurs. J'ai beaucoup à dire. Trouvez les influenceurs pour donner la formation à Ducamé. Parce que Ducamé, c'est de la... Tu es trop léger, petit frère. Peut-être que tu es 140 000 abonnés. C'est combien? C'est 150, c'est 200. C'est combien d'abonnés que tu as? Ça te monte un peu. Quand vous voyez le nombre d'abonnés, vous pensez que ça veut dire qu'on est arrivé. Ça ne change pas grand-chose, hein? Putain, on a eu la preuve vivante. Putain, on a tous les abonnés possibles. On m'a même dit que ton direct d'hier l'a partagé. On n'était pas à 600. C'est là où on comprend comment on achète les vues. Putain, on a partagé ton direct d'hier. Moi, on n'était pas assis, ça. Et les mouches qui veulent qui enlève le partage, reine, mais la chèvre ici. Enlève le partage, reine, ne dit rien, la chèvre est là. Son partage ajouté, on était seulement assis, ça. Ouais, c'est pas possible. La chute de ça. La chute libre de ça. Je reviens à Ducamé. Ducamé, tu fais un direct. Ok? Tu fais un direct. Tu es un invité. Tu dis que tu as un invité, ok? Un invité de marque. Tu es en train d'écouter, de faire entendre pour que la voix de ton invité, pour que tu peux aller manger les crabes, comme Fleur Adama dit que les crabes, je vous ai une histoire de je ne sais quoi là. Tu es allé manger le gombo crabe que ma quoi bien concocté pour toi. Ton invité est menacé dans ton direct par un autre qui dit, qui prétend dire que tu le connais très bien, il ne mange jamais. Ça veut dire que vous êtes entendu au quartier avant qu'il vienne. J'ai dit ça, hoha!
Parce que moi, je fais un direct. Je ne suis pas influenceuse ni blogueuse comme vos pètes de noms qui sont juste les titres de carton que vous faites là. Qu'est-ce qui est mis au feu, ça yak. Vous comprenez, non? Vos pètes de noms qui sont que des cartons. Qu'est-ce qui est mis au feu, ça brûle là. Je ne suis ni influenceuse ni blogueuse. J'ai une invitée dans mon direct qui vient pour partir, pour qu'on comprenne son savoir. OK? Quelqu'un d'autre ne peut pas s'azarder dans mon direct pour venir non seulement plier le direct et manquer de respect à mon invité, au point où mon invité commence à lever le ton et je laisse la personne parler. Moi, je coupe la personne. On a vu putain à Magina Kinkam couper les gens ici dans le direct. Jusqu'à dire que ne prononce pas ça, je t'enlève. Oh, ah. Et dire que n'appelle plus ici. Et tirer même sur la personne. On ne fait pas ça. C'est toi qui connais ce que tu as en train de préparer. C'est sûr que tu allais manger les crevettes, on t'a donné pas d'enveloppe. Quand vous êtes tout mendiant en France, pour 100 euros, vous tuez les gens. C'est sûr qu'on est aussi revenu à la charge avec Toto, avec l'information biaisée, bancale qu'on a rajoutée à l'envers. Tu as pris pareil. Parce que vous êtes seulement là que 100 euros, 50 euros. Vous faites quoi d'autre? Vous avez faim. Trop faim en France, là. Trop faim. Vous êtes capable de tuer quelqu'un pour 100 euros. 100 euros. Je n'ai rien compris à cette histoire. Normalement, ce Kamoua, la panthère, ou c'est Kamoua qui s'appelle Kamia. Je me souviens de l'entrée de Kamia sur Facebook. J'étais avec Doudou. On était en direct et il commençait à nous insulter. On disait même qu'on va le bloquer. Doudou dit ne le bloque pas. On l'a pris en Akonjo et finalement il est devenu comme fan. Doudou était encore dans la team. Moi j'étais encore dans la team. Je me souviens de cette entrée de Kamia sur Facebook. Après, je dis que non, je vous titille. Après ça, maintenant vous êtes mes soeurs, vous êtes mes grandes soeurs, vous êtes mes ceci. Après, il disait tu es célibataire, tu es marié. Il peut commencer à faire les directs. Et ça part de Starmania, il était aussi parti comme ça. Ouh, je me souviens, comme si c'était hier. Mes têtes vides. Kamia, trouble vide. Tu viens prendre un dossier comme ça, tu sors de nulle part. Peut-être comme tu es banganté, comme Toto est banganté. Tu as pris ça en tant que banganté. Je ne fonctionne pas en tant que village. Je fonctionne dans l'heure juste et la vérité. Alors, Ducamer, ce que tu aurais fait, c'est de stopper tout de suite la personne qui téléphone et fait lever le ton à ton nez. Même sur un plateau télé, le tournage télé, le micro est à Monsieur Lebon. L'antenne est pour Monsieur Lebon. Celui qui arrive, qui parle un genre, jusqu'à ce que le bon, Monsieur Lebon, qui est ton invité, l'est. Parce que c'est mon ami. Hein. Je vous dis ça, que c'est comme ça que ça se passe. Partout, partout, partout. Vous comprenez, non? Même celui qui a pris la tomate, le gâteau, pour, ou celui qui a giflé le premier ministre, ou celui, le président de la France, ou celui qui avait pris la tête de gâteau pour mettre sur sa côte, ou je ne sais qui. Dès que ça arrive, on le met d'abord hors de la salle. On le porte comme ça, on met d'abord dehors. Donc ça n'a pas fini devant les pavis du président à la seconde qui suit. Mais toi, tu lui as donné l'antenne et il a conduit tout. Et maintenant, les mouches soutiennent. Ouais, oh yeah, oh hayop, hayop. Oh comme ça. Et j'avais supporté le bon là. Oh comme ça. On vous connaît. Vous avez replié. Replié. Je ne déteste pas mon ami. Je n'ai jamais détesté mon ami. Quand je suis une femme loyale en amitié, la seule loyale, c'est moi-même là. Dans tous les pet-pet qui vous parlent de loyauté là. Dieu quand même a dit qu'il me clashait longtemps parce qu'il était royal à ma faute. Pourquoi il a arrêté? Parce qu'il il était dépourvu. Il n'avait plus. C'est-à-dire que ceux qui payaient pour qu'il ouvre la ligne ne payaient plus. Après, lui, il s'est dit que ça ne lui donne pas l'argent. Parce que c'est quand on paye qu'il ouvre la ligne pour insulter. Mais Ducamer, tu as mal fait hier. Tu as laissé quelqu'un qui prétend dire que tu le connais très bien manquer de respect et froisser ton invité devant l'antenne et la plateforme que tu as ouvert pour que ton invité s'exprime et enfin qu'il vide sa panse. Déjà qu'avant, tu as un niveau, j'étais recadré. Tu es revenu hier, tu as bien introduit. Après ça, tu as encore un dème pareil. Ça veut dire que toi, là, tu es suspect. Tu es suspect. Je dis ça, hoha. Moi, je parle mes choses, je m'en fous de vous. Vous allez me faire quoi? Je dis, tu es suspect du gaillard. Très suspect même. On ne fait pas ça. Donc, comme tu es en train de devenir influenceur, trouver les coachs qui donnent les formations d'influenceur. Que Ducamer fait au moins ces 3 semaines ou ces 1 mois de formation avant de revenir. Je dis, avant de revenir. OK? Avant de revenir, Ducamer, tu dois prendre une formation. On ne fait pas ça. Quand on va chez Tata Lolo, je vais citer Tata Lolo, hoha. Si Tata Lolo ne te parle par rapport à une chose et que tu viens changer, Tata Lolo te ramasse. Elle te lave jusqu'à Njikin Tui, elle te baisse à que tu n'es même pas Njikin Tui. Tu connaissais, non? La fille du commissaire priseur. Elle est en train de parler de quelque chose. C'est quelqu'un qui a un temps dans la tête. Tu ne viens pas prendre la revête. Tu veux qu'elle t'aille. Il écrit toujours. Partout maintenant, les vidéos des gens qui prédisent Ducamer, l'influenceur. C'est un titre que tu veux te donner. Mais mon frère, il y a la formation. Non, les formations, les coachs donnent les formations en ligne, ça ne coûte pas cher. Demande à tes fans, comme tu as 140 000 abonnés, dis à tes abonnés que j'ai envie de me former pour être influenceur dans le sens propre du thème parce que je manque vraiment de tact. OK? OK? Et tu vas me poser autant de questions comme tu es dans mon direct en tant que personne. Il n'y a pas de problème à ma chérie. Je réponds à toutes les questions. C'est juste quand ça veut venir un genre informé par rapport à Toto ou Moui, là je tire par manière. Je tire par manière ou je refuse même. Et si c'est un message qui est vraiment méchant des voyous et des voyoutes du nez, je te bloque.
Du cas, mais tu as un thème à un niveau, on ne donne pas. Je dis bien, allez-y vous renseigner. Prends même les cours, non. C'est vrai, vous avez atterri, les abonnés vous ont suivi. Comme vous faisiez les directs pour insulter les gens vous suivaient pour venir voir les injures. Sinon, vous allez voir que quand vous vous connectez, ben, il n'y a plus trop de gens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'injures. Vous avez donné à vos abonnés les injures. Moi, je ne donne pas les injures, je donne leur juste et la vérité. Donc, mes abonnés, c'est la crème de Facebook. Je ne me vante pas. C'est lentement, sûrement. Et bien, vous ne m'avez pas vu venir, mais je suis déjà là. Je suis là, à la porte. Et je connais ma soie, je connais pas. Et quand je finis de te dire, tu prends, c'est la coulance, quoi. C'est cool, c'est propre et limpide. Je ne porte pas les gants. Ça, c'est pour toi, Ducamé. Tu ne devais pas faire ça à ton grand frère. Pas parce que je supporte le bon ou quoi. Le bon, c'est lui qui avait le temps d'antenne. À partir du moment où il a le temps d'antenne, Kamia ne peut pas venir pondre. Parce que l'histoire retiendra que Kamia a dit que. Maintenant, c'est le bout de Kamia qui va être au Congo Saba. Et maintenant, Toto danse la danse de bout de Kamia. Parce que c'est le bout qu'il fallait que ça sorte que là-bas. Il fallait que tu fermes ton antenne. Il va parler chez Toto. Il n'allait pas parler. Parce qu'il fallait qu'il parle que chez toi. C'est comme ça que ça marche. Pour que ça ait le poids. Vous ne connaissez pas. Tu allais fermer ton antenne, il n'avait pas, Toto n'avait pas ouvrir la ligne pour dire que Kamia vient expliquer ce qui s'est passé. Puisqu'elle est assise là, elle vient. Et tu crois que Ngoï, comme elle a faim, elle attend l'enveloppe de 400 ou 500 euros que mon ami s'est lui donné là. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parler, Ngoï. Parce qu'elle attend un dépannage. Elle se dit, ouais, c'est un peu compliqué, docteur. On lui envoie peut-être 500. C'est pour ça. Sinon, Ngoï là, ça là, son cœur trépite, ça trépite, ça trépite. Elle sait comment elle va acheter ça. Mais vous avez vu la récupération du matin? Vous avez vu la récupération du matin? Elle a fait par manière. Donc, elle a fait comme si elle couvre le monsieur, mais elle a encore cassé son ami qui est le monsieur. Maintenant, elle a dit que Toto est une grande femme. Elle a bien occupé des enfants. Est-ce qu'on était ici en train de dire qu'on s'occupe mal des enfants? Est-ce qu'on est ici pour parler qu'on s'occupe des enfants ou bien que qui a élevé les enfants, qui n'a pas élevé? Question. Est-ce que putain, on ne connaît pas tous les problèmes qui sont autour de ce combat qui date des années? Le bon a déjà parlé à Putain, a fatigué. Il reste à savoir si en lançant ce direct à lui a même causé. Cette petite pembèche-là. Elle en train de vendre son piment entre deux comptoirs. Elle ouvre le direct. Comme il n'y a pas de sujet. Vous manquez de sujet. Vous manquez de sujet. Moi, je peux m'asseoir chaque jour. J'ouvre un sujet. Ce n'est même pas vous. Chaque jour, je développe mon sujet de A à Z. C'est là où il vous dépasse. 1 milliard. Donc, vos pètes de 100 000 abonnés, là, c'est abonnés blanco. C'est pour venir écouter la merde. Ou quand vous dansez, vous dansez avec vos seins, comme Toto maintenant, elle est seulement avec les t-shirts, les tétons. Regardez, merde, combien d'enfants? 5 enfants. Elle a compté qu'elle a 5. 5 enfants. Maman de 5 enfants, regardez. Elle cherche même bien les clients en ligne. Parce que c'est compliqué. Le dehors, c'est compliqué. C'est compliqué. La vie est dure. Vous comprenez? Je dis ceci. Je répète encore. OK? Le bon Didabel a juste besoin d'être compris. Oui, c'est autant quand j'ai commencé le direct, tu as dit ça, que le pauvre, le bon, il veut se faire comprendre, mais malheureusement, parfois tu veux même passer un message, mais la manière que tu passes, ou la plateforme que tu vas, on n'arrive pas à bien placer le message que tu veux passer, et puis ça passe comme si c'est tombé dans les terres arides, ça ne porte pas ses fruits. Il y a des gens qui sont les porteurs de messages, les gens qui sont les porteurs de paroles, les oratrices comme moi. Je suis une oratrice. Qu'elle m'assoit, elle commence à parler. Oui, on m'écoute longtemps. Oui, hier j'étais dans un parc, tous mes fans du Canada à Montréal étaient devant moi comme ça. J'ai salué les cancans. Je suis vous dire leur nom, je ne connais pas moi leur nom. Je ne connais pas leur nom. Les autres venaient de Trois-Rivières, les autres venaient d'ici. Marine, mais vraiment mes félicitations. Marine, mais j'aime ce que tu fais sur les réseaux. Je salue ma fan de Trois-Rivières. J'espère que tu as bien voyagé. Vraiment, ne change pas, continue ton travail. Je suis en train de travailler dans l'heure, juste la vérité. Je ramène la communauté camerounaise. Je vous sors de la merde, du foutoiement, de la prostitution, des injures, du sabotage, du lynchage gratuit. Je ramène de l'heure juste et la vérité. Je n'aime pas le mensonge, je ne fonctionne pas avec le mensonge. Si j'ai offensé quelqu'un, je suis capable de dire pardon. C'est ce qu'on vous demande de faire. Toto Tonga, tes pardons intempestifs que tu fais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait au père de tes enfants. Et tu sais où tu l'as mis. Et tu sais où tu voulais qu'il soit. Et tu sais comment Dieu lui a fait grâce. Tu sais tout ça, Toto. Mais pourquoi tu fais danser? Pourquoi tu fais tourner? Pourquoi tu aimes actionner la malivienne longtemps comme ça? Ah, j'oubliais, tu te nourris de ça. Tu es comme Magina Kengam. Vous êtes des gens, vous aimez voir les gens être mal. Vous comprenez? Vous aimez voir les gens être mal. Vous aimez voir. Je dis qu'elle est bêtise de blogueurs, d'influenceurs, les pètes-pètes qui sont assis, qui sont les blogueurs. Si on commence à dire qu'on veut sélectionner, là, on ne va pas vous prendre. Je vous dis, hora. Vous bloguez quoi? Vous influencez quoi? Parce que vous avez, vous assez, vous voyez 120 abonnés, 120 000 abonnés, vous dites que vous êtes blogueur. Vous dites que vous êtes influenceur. Dans quoi? Bien influenceur, oui. Bien blogueur, oui. Bien leader de quoi? Question. Avant qu'une situation comme ça arrive, un père crie tous les jours
pour pouvoir avoir accès à ses enfants. On le bloque tout le temps. C'est celui qui peut-être ne cogne pas à la bonne porte pour se plaindre. Il est passé sur la chaîne de Ngoï. Ça n'a pas porté ses fruits. À un moment, Ngoï dit, elle sort aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? J'irai chercher les enfants au Canada pour les amener. Enfin, parce qu'elle veut seulement un billet d'avion pour voyager. Vous voyez l'intérêt derrière? Est-ce qu'on est en train de dire de prendre les enfants au Canada pour amener? Elle a même compris le problème. Non. Mais il faut qu'elle vienne au Canada pour dire, moi voici, je suis au Canada. C'est moi qui avais appelé la police sur toi. C'est moi qui avais fait qu'on t'arrête. C'est moi qui avais demandé qu'on te refuse d'entrer au Canada. Est-ce que comme tu as dit que tu viens, est-ce que j'avais refusé? Est-ce que j'ai refusé même que tu viens en septembre, que tu annonces cela? Hein? Vous êtes sérieux? Et maintenant, une fille comme Toto Tonga, qui vient sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle dit sur moi? La vérité, c'est que le nom des membres de ma famille qui rappelle, c'est vraiment le membre de ma famille. Que son père s'appelait elle. Maman, je suis tellement la fille de mon père que mon père n'est pas quelqu'un que je peux rejeter ou régner. Jamais de la vie. La tête, c'est que vous voyez là. C'est la tête de mon père. Ça m'a même piqué quand elle fait mon Congo libre. Je vous ai mis ça. Ma mère n'allait pas tricher. Elle dit que ma petite soeur est morte, c'est moi qui l'ai tuée. Maman, si j'étais un criminel, je vais être dans une prison, même dans mon pays. C'est toi qu'on a arrêté au Cameroun, on a failli enfermer Mana. On a même enfermé parce que Mana a fait des vols de gangs au Cameroun. Je vous ai expliqué ça. Tu comprends, non? Des vols de gangs au Cameroun. Je vous ai expliqué ça. Ok? Et Mana, comme je vous dis là, non seulement elle a fait des vols de gangs au Cameroun, doit la commencer depuis le Cameroun. En France, le bon la sauve d'un rafle dans la maison où elle habite. Où c'était le modèle, comme elle aime tout faire les modèles, où c'était le comment on appelle? Pour savoir qui met les têtes de mort, mon administrateur, tu dois sortir du direct, prendre, si tu as peut-être, ça dit, tu sors du direct que tu es en train de regarder, tu vas de ton compte personnel, tu tapes dans les j'aime et tu vois c'est qui met la tête de mort. Maintenant, tu rentres dans mon direct et tu regardes s'il... Parce que parfois, ils mettent la tête de mort sans commenter. Et tu le bloques. C'est comme ça. Si tu vois qu'il met un commentaire, parce que s'il met la tête de mort sans commenter, enquêtez, il va mettre j'aime. C'est ça le problème. Donc, laissez faire même les têtes de mort. Mettez seulement les cœurs pour les contrarier. Est-ce qu'on a un problème? La tête est pleine. On n'a pas écrit sur un mur. La tête est pleine. Je pas... Ça veut dire que je ne fais pas du coq à l'âne. Je suis cohérente. Donc, bandit de grand chemin, Mana. Donc, je ne peux pas renier que je suis la fille de mon père. Je le suis et j'adore. Et c'est vraiment, ma mère n'avait pas triché. Je ressemble vraiment à mon père. Ma tête là, que vous voyez là, c'est la fille de mon père. Je ressemble à mon soeur de mon père. Mal, mauvais. Donc, elle marche avec mes tantes. On croit que ce sont mes mamans. Donc, j'ai trois tantes là. Tu sais, je suis debout à côté. Donc, on croit que c'est mes mamans qui m'ont accouché. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc, même la morphologie, c'est comme ça. On n'a pas triché chez nous. Bon, ça, c'est l'autre chose. Maintenant, ma mère. Oh, sa mère. Où elle a dit que ma mère a fait. Mais c'est ma mère. C'est ma maman d'amour. Elle dit qu'elle est morte. Moi, je suis ici au Canada. Comment elle peut dire que j'ai tué? Je suis ici au Canada. Je ne suis pas au Cameroun. Comment je tue la mère? Ma chérie, c'est que quand tu as affaire à ces gens-là, il ne faut pas qu'il y ait de mort dans ta famille. Quand il y a un mort dans ta famille, c'est toi qui l'as tué. C'est des gens, ils t'accusent de tuer, de voler, de si. Oh, que, ils n'ont pas de preuves. Hein. Si tu décides de les poursuivre, mais ils vont être dos au mur. Hein. Mais ils vont deux. Ils vont être dos au mur. Merci beaucoup, Marie. Quand on n'aime pas quelqu'un, merci, voilà ma soeur Solange qui peut confirmer. Vérité. Et mon père, c'était un homme intègre. Hein? Mon père. Ça dit que, je ne sais pas comment vous dire, paix à son âme. Mais Toto, ton père a rêvé d'aller en France. Rêvé. Il était, comment on appelle ça, vigile à l'ambassade de France. Donc, c'est lui qui ouvrait la porte de l'époque. Il rêvait qu'un jour il va aller en France. Makat, on l'appelait bon blanc, Makat, là, de mon colon. Mais vous l'avez tapé tellement qu'il est parti avec Mungo. Il rêvait d'aller en France, chérie. Il n'a jamais été. Mon père, c'est un monsieur qui étudie en France. Mon père, c'est le responsable des chambres froides. Hein? C'est le responsable des chambres froides au centre Pasteur de Yaoundé. J'allais accompagner mon frère, c'est lui qui pasteurisait les vaccins. Si mon père vivait maintenant et que la chambre froide a un problème avec tous les vaccins de corona, il allait prendre sa canne, allait leur dire que mettez comme ça. Un grand monsieur de climat chaud et froid, mon père. Les chambres froides, il les faisait comme ça, comme des bouts de pain. Tu parles à qui? C'est-à-dire qu'un monsieur, chef de compagnie, ingénieur, il a étudié en France 9 ans. Oui, c'est pas le bavardage, chérie. Oui, c'est pas le... Son petit nom, c'était Chico. Chico, c'est mon père. Très bel homme. Il a vécu comme sa fille. Je vis 1000 à l'heure. Je ressemble à mon père. Tu peux pas. Je suis dans une grande famille de chefferie, de notabilité, de richesse mentale, psychique. Même la mémoire, nous avons. Tu peux pas. Tu vas seulement tergiverser. Quant à ta mère, tu as dit que ma mère. Mon grand mouvement ici, c'était une petite sorcière à Mokolo. Ça, je le dis haut et fort. Tu oses parler? Tu dis qu'on a prononcé ta mère. Donc toi, tu vas prononcer la mère des gens. Les belles mères des gens vont te laisser. Parce que toi, qui? Tu es la psycho de quel cabinet?
Tu es l'astico de quel cabinet? Il est à noter qu'à Toronto, la maman de Tonga meurt quelques semaines, si j'ai bonne mémoire, quelques semaines après l'arrestation de le bandit d'Abel. Parce qu'elle refuse que Tonga continue avec cette affaire-là. Elle dit que l'affaire-là n'est pas bien. Elle dit, laisse, ma quitte. Ma quitte. J'ai dit chic, pas les choses qu'on dit. Mon père, on le connaît. Et c'est quelqu'un qu'on ne cherchait pas les problèmes. Mon père, c'est-à-dire que tu le cherches, tu le trouves. Je suis mon père. Oui. C'était que mon tempérament, tu ne m'amènes pas en bateau. Je ne suis pas dans les micmacs. Je te donne l'heure juste. Je suis la fille de mon père. Même dans ma famille, ils savent. Même dans ma belle famille, ils savent. Allô? Et quand mon mari venait, mon mari savait. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si on est venu marier une fille qu'on a trouvée dans la rue. On connaît les bambines. Qu'elles se connaissent entre eux. Tu as compris, non? Donc, ce n'est pas comme si on a atterri comme ça et puis on a pris quelqu'un pour dire qu'elle sort d'où. On n'a pas besoin d'enquêter sur moi. Tu comprends? Mais ta mère, Mana la Tonganaise, c'est toi qui précipites ta mère dans la tombe. Il faut qu'on le dise. Je m'explique. Je ne dis pas que tu lui as donné du barbiturique. Je ne dis pas que tu lui as donné le poison de je ne sais pas quoi. Je n'ai aucune bon sens d'idée de ça. Mais tu lui as donné la ceinture pour qu'elle t'aide à frapper et faire les bonnes marques que tu aurais besoin sur la fameuse arme du crime qui n'a jamais les empreintes de M. le bandit d'Abel. Tu as oublié que quand tu devais amener la ceinture pour dire voici ça, il m'a tapé avec. On devait prendre ça comme pièce à conviction. On devait garder dans le sac pour chercher ses empreintes qu'on n'a jamais trouvées. Parce que c'est une ceinture que tu as pris à l'armée du salut. Tu vendais tes abords et là sûrement et tu t'es tapé avec. Hein? Vous comprenez? Et s'il vous plaît, beaucoup de gens me demandent aussi une histoire autour du laptop. Le fameux laptop que Toto se plaignait, que vous avez dit que moi, si on me disait d'acheter le laptop, je n'allais pas acheter. Je ne suis pas une méchante femme. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mon ami va m'appeler pour un service. Je suis au Canada, je peux rendre service. Ceux qui me connaissent savent, je rends le service. Même s'il faut aller à Toronto, même s'il faut aller jusqu'à... Même à Niagara, même à Vancouver, je vais aller rendre le service à mon ami. Mon chéri est pareil. Nous sommes concernés pour les gens. Nous aimons les gens. Vous comprenez? Et quand je m'en vais acheter le laptop, pourquoi je réponds à Toto? C'est parce que dès qu'elle reçoit le laptop, pendant 2 semaines, Mako est en ligne, Mako peut confirmer. Mako, si tu es là, tu peux confirmer. Elle nous insulte copieusement. Mon ami m'a dit de ne pas dire que j'ai acheté le laptop, de ne même pas faire monde de ça, parce que justement, elle est toujours en train de faire des caprices, de déranger, de faire des problèmes où il n'y en a pas, et de punir les enfants. C'est-à-dire, elle crucifie toute l'enfance et l'adolescence de ses enfants. Elle a crucifié ça. Manana Tongana, son mauvais cœur, une maman méchante. Foncièrement méchante. Ok? Et là, j'ai respecté, j'ai donné, je suis restée tranquille. Je suis dans le deuil de ma grand-mère. Tu sais que je suis en deuil. J'ai posté que je suis en deuil. Mais tu n'arrêtes pas de m'achialer, d'insulter ma mère, ma soeur, mes frères, mes ceci, mes cela, ma famille, ma belle famille. Tu es toujours en train de faire les picots, ceci, cela. C'est là que j'ai dit, allez la réveiller et dites-lui d'ouvrir son armoire et de prendre les cadeaux qu'elle a reçus et de regarder tel sac et tel sac. Tel sac et tel sac. Oui. Elle m'insultait, elle Mako, même toi, elle t'insultait. Elle disait que nous sommes jalouses, que le bon a mis une enveloppe de 2 000 € dans le sac et qu'on est jalouse. Et Cécile a mis beaucoup de cadeaux. Oh, regardez la tablette, Tania m'a écrit dans la tablette, Tania a dit qu'il m'aime beaucoup. Allez-y dans YouTube, les vidéos sont là. Si vous avez le temps, parce que Toto veut nous garder en haleine, mais nous allons lui montrer que nous sommes au-dessus de la mêlée. On donne l'heure juste, on passe à autre chose, on give up. Ils ont la talking about. On ne va pas s'éterniser là-dessus, nous, on a plein de choses à faire. Ok, madame, c'est pour ça que j'ai fait la sortie, c'est pour ça que j'ai parlé de l'ordinateur. Moi, j'assume ma vie. Je suis toujours la fille de mes parents qui est née depuis Bokonjolaso. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance à l'hôpital. Je suis née à l'hôpital de Baranté. C'est encore écrit dessus. Vous savez qu'on ne trafique pas. Ce n'est que les actes de Kumba qui sont traficotés. Ou la mairie de Toto. Sa mairie qui est dans sa tête. La seule fille qui a une mairie de vous appelez l'endroit là où c'est Asia, où c'est Ayas, ou c'est quoi. Le village là-bas où sa mairie à Yaoundé là. Hein? C'est comment on appelle ça même. On a donné le nom l'autre jour. J'ai dit que c'est encore quelle place là-bas. Hawaï. La mairie de Toto est à Hawaï, ça n'existe pas. La seule fille qui a un acte de ça avait une mairie qui n'existe pas. Hawaï. Hein? Elle a un acte de ça, mais moi je suis née à l'hôpital de Bangaté. Allô? Mon nombril est enterré derrière la maison de ma grand-mère. Là où ma grand-mère dormait, là, ça va, on a enterré mon nombril. Les femmes Bangaté trouvaient moyen d'entendre. T'as dit qu'on avait rendez-vous avec les femmes Bangaté. Moi, je ne suis pas dans l'association des femmes Bangaté, donc je te bloque. En tant que de quoi? C'est comme ça que vous faites toujours. Les gens doivent s'entendre avec les vampires pour qu'on finisse de les tuer. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de m'entendre. Les femmes Bangaté trouvaient moyen d'entendre. Est-ce qu'on est obligé d'entendre? On n'est pas obligé de composer ensemble. On n'appartient pas au même diapason. Voilà, c'est ça qui fait. Une mairie Hawaïe qui n'existe pas. Pardon. Parcourez Hawaïe. Mes fans de Hawaïe, mes fans. Puis l'eau de Hawaïe. Eno.
cherche Hawaï. Tu me dis si tu as Yaoundé et non, mon fan là. Tu as Yaoundé et non, cherche Hawaï, mairie d'Hawaï. Si tu trouves ça, fais la photo, tu m'envoies. C'est dans la tête de Toto, la mairie d'Hawaï. Une seule femme qui a un acte d'incendie délivré d'une mairie d'Hawaï qui n'existe pas dans un pays. Vous pouvez imaginer ce genre de fraude. Vous savez combien de personnes marchent avec l'acte de mairie d'Hawaï? Vous êtes sérieux? Tu viens parler à une digne fille d'Indé qui a une vie intègre, qui sort d'une grande famille, qui est tellement. T'as dit que princesse et tout ça, tu viens me parler? Qui est assise chez elle dans son jardin? En été, on s'assoit dans le jardin. Je suis en train de prendre mon sombria. Voilà. J'en ai mis un peu de pastèque dedans. C'est sans alcool. Hein. Voilà. J'ai mis du pastèque, j'ai mis du jus d'orange, j'ai mis du jus de raisin mauve. C'est ça, le raisin mauve. Des glaçons. C'est encore glacé, là. Attends, je me désaltère tranquillement dans ma terrasse. Je suis assise chez moi, je suis en train de surveiller mon feu parce que je fume l'angoy. Je fume l'angoy, le porc l'angoy. Je fume l'angoy et je suis calmement assise là. Et puis je me fais plaisir dans mon verre de cristal. Et puis une petite cervelée qui habite dans les appartements que le gouvernement paye presque en partie vient me parler qu'on doit faire un challenge. Challenge tout mou. À 53 ans ou 54 ans, tu fais encore un challenge dans l'appartement? Attends, c'est Leslie qui va aller en appartement bientôt. Et même cet appartement, ça se trouve, je vais l'acheter tout de suite. Elle n'aura pas besoin de le louer. Tu parles à qui? Si je vois seulement le message, si je dis que je ne veux même pas mettre tout l'argent, j'appelle seulement les oncles et les tantes de l'Est. Tu connais quelle famille je suis dedans? Tu connais combien de membres de ma famille sont à l'étranger? Ils sont installés dans les domaines? Tu parles à qui? Tu parles à qui, Toto? Quand chez toi, les bandits, les gens de ta famille, tes frères, les autres sont bandits, les autres sont... Tu parles à qui? Ta soeur ici à Toronto, tu ne lui parles pas. La femme de monsieur, whatever, je ne sais pas, tu ne lui parles pas. Ta soeur qui a foutu ta mère dehors. Ta soeur a foutu ta mère dehors à Toronto. Et demander pourquoi la sœur a foutu la mère. Parce que la mère voulait donner les voux qu'elle a dans son ventre à la sœur. La sœur dit qu'elle ne prend pas. C'est comme ça qu'on l'a mis dehors. Vous comprenez? Sa sœur, je dis bien que la sœur de Toto a chassé la mère parce que les voux que la mère avait au ventre voulait donner à la sœur. La sœur dit qu'elle ne prend pas ça. C'est bon pour toi et ta fille. Toto l'a récupéré. Et comme le bon, c'est un bon samaritain, c'est un bon. Il est arrivé comme un oiseau céleste. C'est le seul intellectuel dans la vie de Toto. On a un grand frère au quartier, Feu Carlos. On a un Feu Carlos. Elle sortait qu'avec les grands-pères bizarres qu'ils n'ont même pas pour elle. Hein? Sa soeur ici à Toronto. Ta grande soeur, Toto. Fais une photo avec elle, tu nous montres, non? Fais une photo avec ta grande soeur, tu nous montres. N'importe quoi. Tu es malheureuse. Mana, tu me fais pitié. Tu me fais vraiment pitié. C'est toi qui veux conduire dans les mauvais rêves comme ça. Tu aimes quand les gens. Tu es comme Magina. Vous aimez tirer les gens dans les mauvais rêves, les biais. Regardez tout ce que vous faites. J'ai aucune ride. J'ai vu mes fans au parc. Ils étaient assis à côté de moi comme ça. Les autres venaient me saluer, les bises. Moi, vraiment. Les autres que j'ai découvert, les cancans. Il y avait même une qui s'appelait Manabo. Je salue la Manabo. Bio, le feu sort. Maman, les cancans, belle femme. Ouais. Elle s'appelle la reine mère bio. L'heure juste. Maman, on aime terriblement mal. Elle s'appelle MTM. Vous m'avez bientôt sorti mon dictionnaire. Parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Allez dans les archives. Est-ce que je parle, je bave pour baver? Est-ce que je parle, j'invente, j'étais JVS? Vous êtes malade? Vous fumez quoi? Pour venir pourrir la vie comme ça des gens? Tu as commencé un problème ici à Montréal, Mana, par jalousie, pure jalousie. Ça là, c'est la genèse, pure jalousie. De nous voir avoir des femmes bien intègres avec leur mari, tout comme toi, tu as foutu la merde dans ta part. Ton mari volé, bien sûr. Ben, tu as volé le mari de ma copine. Ça là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, ça. Tu as volé le mari de ma copine. Et tu as percé le sperme pour être enceinte. Ça, là, c'est le bon qui nous a dit. C'est comme ça. Vous étiez dans la chambre ensemble. Quand il y a ce que tu racontes, quand il y a menteur, imposteur, ce que tu racontes qu'ils sont dans la chambre, tu n'étais pas dans la chambre. Le bon nous a dit que Mana vient nous dire pour elle. C'est ce qu'on veut. Que Mana vient nous dire ce qui s'est passé. Lui dit qu'on a percé le sperme. Qui vient dire que tu manques, tu n'as pas percé, tu avais plutôt fait ceci. Qu'elle dise même qu'il s'est satisfait dans ses oreilles. C'était dans la chambre. C'est ce qu'elle va dire, c'est ce qu'il va dire qu'on va pas. Quand il y a, tu te tais, tu n'as rien à dire là-dedans. Moi, j'ai pris ce qu'il a dit. Il a dit ça chez du café, il a percé. C'est comme ça. Et on reste avec ça, c'est comme ça. Vous comprenez, non? C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est parce qu'elle le pousse à bout qui donne les dessous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ne poussez pas les gens à bout. Surtout les gens qui aiment leur juste et la vérité. Les choses vont sortir. Et nous, on va seulement s'abreuver. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? On va s'abreuver. Camille, tu es un menteur, tu es un insulteur. Tu as dit que le témoignage des enfants. Que les enfants ont dit que. Comment tu as dit là? Que les enfants ont témoigné que leur père les a battus. Tu as entendu dans l'audio du père? Les enfants n'ont jamais témoigné ça. Vous fabriquez des choses. Vous fabriquez des choses. Vous qui, je ne sais même pas, vous inventez des trucs et tout. Vous inventez les trucs. Vous fabriquez des choses. Allô quoi? Allô quoi? Allô quoi? N'importe quoi. Hmm.
c'est désaltérant. J'espère que tu as une terrasse, hein, ou tu as un appartement, chérie. J'espère que tu as une terrasse, Toto. J'espère. Assois-toi un peu à la terrasse. Les terrasses au Canada sont quand même grandes. Prends un verre à la terrasse. Dans un verre de cristal, tu prends un peu une petite jonc là à la terrasse. Hein? Tu viens dire que les enfants ont battu. Les enfants ont confirmé que... Si c'était vrai, l'une des... Parce qu'on a accusé viol et bastonnade. Si l'une des allégations était vraie, le banque devait être encore en prison. Hein? On n'avait pas la quitter. Dans un juge, dans un jury femme. Je vais toujours parler de ça. Parce que Mako, non. Elle est ici dedans. Oui. Je veux parler. Oh, vous allez faire quoi? Maintenant, venons à Ngoï. Parce que vous savez qu'elle ne laisse pas Ngoï, non. Ngoï, le piment. Dans la chaleur, si tu vends le piment, comment? J'espère que tu as le climatiseur dans ton camion. Hein. Oh là là. Si ma vie était réduite au piment, comment j'allais faire? Moi, je suis une femme travaillante. Hein. Moi, j'aime travailler. J'aime me battre. Pour avoir 100 dollars, je fais comme ça. Pour avoir 200, je ne connais pas m'asseoir et attendre que mon chéri va travailler, me nourrir. Non, non, non. Il sait qu'il a épousé une femme battante depuis la nuit des temps. OK? J'espère que ton piment dans ton camion, tu as le climatiseur, Ngoï. Parce que les vagues de chaleur qu'on a ici dehors, là, c'est quelque chose. Toi, tu surgis dans le dossier Ngoï. Tu as d'abord fait comme si tu es avec le bon, parce que tu calcules tes 500 euros qu'on va te dépanner. Après, tu dis un peu, tu reviens à Toto. Oh, je supporte Toto, c'est une maman qui est occupée, parce que tu veux tirer un peu sur Mako le bien. Parce que comme Mako ne te supporte pas, Mako n'aime pas le mensonge, Mako aime le juste. Quand Mako voit la vérité, elle dort que sur ça. Oui, Mako aime la vérité. Tu es venu dire que tu vas prendre l'avion pour venir chercher les enfants et les ramener au Canada. Mais oui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne débattait pas de ça, chérie. Mais les mouches, donnez un peu le résumé à votre patronne, non? C'est vrai qu'elle est entre deux plantains. Voilà, les mûres, les non-mûres, les je ne sais même pas quoi, les moumous, les, pff, je ne sais pas, les cancans plantains, pas bout de tes colos, pieds colos, les pourris, les, pour les cancans plantains. Elle n'a pas le temps de prendre vraiment pour faire le résumé. Vous êtes assis sur son docteur, vous l'avez lavé copieusement. Elle, après, elle vient, n'incitez pas, docteur. Et vous allez voir qu'elle a donné un temps. Hein. Vous allez voir qu'elle a donné un temps. Et quand on essaye de la contacter, parce que vous connaissez, non, je vous avais dit quoi ici à l'époque? Je vous ai dit à l'époque que j'ai envoyé les audios à Toto, Ngoye n'a pas répondu, non. Je vous ai dit que j'ai appelé Ngoye, n'a pas répondu. J'ai envoyé plusieurs audios, n'a pas répondu, non. C'est la même chose que docteur a fait. Il a essayé de la contacter, n'a pas répondu. Les mouches, vous devez avoir honte. On assiste ici à la fin, la toute fin. C'est la toute fin du déclin. Imagine à quelqu'un. Oui. On appelle, tu ne réponds pas. Mais tu laisses ton docteur, payeur d'argent, mouton analphabète, être léché des heures et des heures. Après, tu fais une sortie façon. Ne tirez pas tout dans ça. Mais le bien Agnès quand même. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Quand on insulte Anna Grenga, elle est là, elle envoie les cœurs. Le bien n'a jamais envoyé les cœurs quand j'insulte Anna Grenga. Et je n'insulte pas Anna Grenga. Flor Magina Grenga. Anna Grenga, c'est comme tu avais dit à Pépé, tu es Grenga. Et Anna Grenga. Donc, le même nom que tu as donné à Pépé, c'est à ça. Donne aussi à ta mère. C'est pour ça qu'on dit Anna Grenga. Et tu viens faire ton intéressante, Ngoï. Tu viens faire genre, il est bon, quand on incite Mama Anna, eh bien, Anna Grenga, eh bien, envoyer les cœurs. Non, quand je me connais, Mako se connaît, elle dit que Mako, l'heure juste, elle envoie les cœurs à Mako. D'abord, vous ne savez pas que quand on commence un direct, les gens ne savent pas ce qu'on va dire, mais derrière les cœurs. Moi, je me souviens, j'étais allée dans un direct de Mama, je commençais à mettre les cœurs. Bonjour Mama, je suis dans la salle, je bois de l'eau. Ce jour, Mama devait clasher la veuve, je ne savais même pas c'était qui. J'ai même partagé, je suis partie. Les mouches ont fait qu'ils ont dit à la veuve que. Quand Mama te clashait, la Tali Babalé mettait les cœurs et elle commentait. La veuve n'a pas regardé le direct. La veuve s'est assise sur moi. Elle m'a lavé jusqu'à. C'est comme ça que ça marche. Donc, oui, quand Mako entre dans mon direct, quand elle a le temps, elle partage pas tout le temps. Quand elle a le temps, parce que Mako travaille. C'est une salariée. Ça dit qu'une au cadre. Oui, elle travaille. Elle est en formation. Elle fait tout. Elle épouse. Elle est mère. Elle est l'héritier. L'héritier. Le mot la tue. L'héritier. Mignon le feu sur le basketteur. Oh là là, mon fils Brian. Tu comprends ça? Je t'adore, Brian, Brianou. Très bien élevé, doux comme maman, doux comme un cœur. Je t'aime beaucoup, mon fils, tu le sais. Vous comprenez, non? Donc, quand Mako entend dit bonjour, elle envoie les cœurs. Ngoï peut mourir. Donc, Mako, jusqu'à les mouches, se questionnent que comment elle peut. Ils ont vu des posters. Comment elle peut aller accompagner, commenter chez la chèvre? C'est mes amis, hein? C'est moi, elle les a amenés trouver Ngoï. Et j'assiste, n'est-ce pas, à leur dépôt comme un caca sec. Donc, oui, je m'y attendais. Parce qu'on dit que c'est qui avait fait la prune a fait le noisetier. C'est-à-dire que celui qui fait va toujours faire. Ngoï, c'est son comme ça, c'est sa valeur intrinsèque. Elle ne laisse rien. Elle tire sur tout ce qui va bouger. Et c'est le tour de mon ami de bouffer. C'est dommage. C'est dommage pour ses bons et loyaux services, pour tout ce qu'il a servi dans cette île. Tu devais te mettre haut la main, le bras à l'air et parler. Tu as vu comment il a parlé de son ami?
de Toronto, le monsieur James, c'est James. Tu as vu comment il a parlé jusqu'à dire que jusqu'à la terre finit cet ami-là. C'est ça qu'on appelle la loyauté. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance des humains envers les autres. Tu ne connais pas ça, Magina. Tu es seulement connecté avec tes pertes jaunes. Ce qui va te donner 100 $, 100 $. 100 $, 100 $, chaque temps, chaque temps. Tu es seulement connecté sur ça. Ya! Yeah! Et maintenant, Camilla vient à la rescousse. Doudou, il atterrit de nulle part. Et du cadavre le laisse l'antenne. Et il vient pondre que les enfants ont dit que leur père les a battus. Le bon nous a dit, hein, il a l'audio. Le bon dit d'Abel à l'audio où ses enfants ont fait le témoignage. Il n'y avait pas question de cette réponse-là. Quand vous parlez, amenez les preuves. Nous, nous sommes ici, là, nous sommes pour l'heure juste et la vérité. Nous ne sommes plus pour le mensonge. On ne veut plus ça sur les réseaux. Vous n'avez plus venir nous pondre ce que vous... Même les ventes de rêves, il n'y en a pas. Les gens sont réalistes. Je vous dis que tu as fait fumer l'ongoy. L'ongoy est leur feu. Je fume l'ongoy. L'ongoy est le poisson. Oui. Sucré, frais. Vous comprenez, non? Voilà. Elle est connectée. Elle n'a qu'à se connecter, dis donc. Elle lave. C'est-à-dire qu'on l'appelle, on l'appelle. Elle n'est pas en train de répondre. Elle a fini de déposer son docteur national, international. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, Magina. Tu dois aller réapprendre les valeurs, c'est-à-dire les règles de savoir-vivre. Elle est connectée, puis ça fait quoi? Hein? J'ai tout dit, Suzy. Ils ont dit que oui, tu ne devais pas supporter le bon. Ils t'avaient par quoi. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là pour suivre les inepties des voyous et des voyoutes du net? Les prostituées du net? Et les prostituées dans la vraie vie? Non, mais allô, quoi? Je ne suis pas ça. Elles se passent pour des blogueuses parce qu'elles voient le nombre d'abonnés. Une blogueuse, ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés. Il y a un certain nombre de... Nous voyons les blogueurs. Hein? On a Emma Loès qui est rendue, je ne sais pas quoi. On a Biscuit de Mer. On a Nathalie Coin. On a plein de... On a même des humoristes au Cameroun qui sont venus les déclasser. On a des humoristes au Cameroun qui sont venus déclasser vos pètes de blogueuses. OK? Mana est encore amoureuse d'Alexandre et ne réalise pas qu'Alexandre a plutôt la haine pour elle. Terriblement amoureuse. Elle est avec son Congolais. Elle montre les sacs à main qu'il a acheté. Où elle va aller avec ça? Où, je ne sais pas. Mais elle est toujours en train de pleurer. Tani, imaginez, le bon n'a jamais été Tani. Il a fait le dernier échographie avant de quitter la France. Pour le deuxième enfant qu'il laissait, il n'était pas Tani. Il n'y avait pas jumeaux dans ça. C'est dans sa tête qu'elle a fabriqué les jumeaux. Mm-hmm. Ta sœur a chassé ta mère à Toronto. Ta mère atterrit chez toi, ton mari prend ta mère. C'était quand même le bon. Le bon dit d'acheter, c'était quand même le jackpot pour cette famille-là. Le meilleur risque, le jackpot. Après, ils n'ont plus rien eu. Hein. Ces voyoutes de le bon-là qui me gardent encore ici à Boza. Moi, j'aime le bon. Il dit les voyous et les voyoutes du net. Et il a aussi dit les prostituées du net. Hey, mon beau parle le français. Quand il parle, tu es contente. Attends de yuk ma bon moi voilà. Toto, tu vas encore dire quoi? Les archives sont là. Nous voulons les preuves. Camilla, nous voulons les preuves. Tu as dit que les enfants sont battus, le père est battu. Nous voulons les preuves. Tu as dit qu'il habite avec le monsieur Garin. Nous voulons les preuves. Les preuves. Et si tout ce que tu as dit était vrai, surtout pour les enfants qui ont témoigné que le père battait la femme, on devait les garder parce qu'on l'a arrêté pour deux chefs. Dans les deux chefs, il a été acquitté. C'est pas normal. C'est pas normal. Hey, tu dis que quoi? Je vais te bloquer. Je te bloque. En plus, ton nom, c'est quoi? Pipi, écarteuse, quoi? Je ne suis pas dedans, je te bloque. Flo n'a pas insulté le bon. Est-ce que j'ai dit qu'elle a insulté le bon? J'ai dit qu'elle a insulté le bon. Elle a soutenu le bon. Flo a soutenu. Flo est là pour ses intérêts. Flo, si, par manière, imagine à quelqu'un, ton docteur a un souci. Tu n'as même pas pris le temps de reconnaître. Ton docteur t'a appelé fatigué. Tu n'es même pas de décrocher. Tu ne gères même pas ça. Tu pas ouvrir le direct, tu dis que tu vas prendre l'avion pour venir prendre les enfants. Est-ce que c'est ça qu'on parle? On parlait que les enfants n'ont pas les papiers. Et s'ils n'ont pas les papiers, trouvons comment faire pour qu'ils aient les papiers. Point final. Je dis bien, point final. C'est de ça qu'on parlait. Mais ce n'est pas ce que toi tu es venu parler, ma chérie. Mm-hmm. C'est bon. Hein? J'ai mis les pastèques dedans. C'est bon. Hein? Attendez, mets le bois. Je fume le bois. Des rêves et d'illusions, ma chérie.
faut bien te renseigner sur la personne. J'allais venir ici filmer les voitures. Filmer les voitures, filmer ceci pour vous mettre ça sur Facebook. Tu vois comme ça, moi. Je ne suis pas comme ça, oh. Je vais pas filmer les voitures. Filmer les choses. Ah, que j'ai une petite voiture. Ma chérie, j'ai une petite voiture. Pourquoi? Le bon récemment passé à la mauvaise chaîne de l'influenceur Mbrakata. Je te mets, tu vas prendre la commission. Tu vas te donner l'argent. Viens, défendre, fais le riche. J'allais chercher le bois. Regardez. J'ai le bois. Regardez. Toto, j'ai le bois. Au fond là-bas. Beaucoup de bois. On va chercher le bois pour fumer. Tu peux voir, hein, Toto. C'est ici. Une petite jaune. Bordé. Tchachou. De l'angabou. Je parle à qui? Hein, Toto? On va même venir. Hein, je vais répondre à vos questions. Vous avez des questions? Ceux qui ont des questions, posez des questions. La reine Mère Bio vous répond. Je vais répondre à vos questions. Vous dites que quoi? Hein? Ceux qui ont des questions là. Il a dit quoi? C'est vrai, ma star. Est-ce pas manier? Ngoye a tiré. C'est comme ça que Ngoye était venu sur moi. Vous vous souvenez? Ouais. Je ne sais pas. Hein? Son litige là, cotisé dedans. Mais elle a fait le Congo ça de mon nom chez elle, machin et tout. Donc elle vient comme si. Elle fait comme ça. Vous êtes là. Excusez-moi. C'est sûr encore là. C'est le truc qui dérange. Je venais à l'ombre. Moi, je n'ai pas envie de me fumer là. J'ai des zones d'ombre. J'ai beaucoup de zones d'ombre dans ma cour. Ouais, ok. Je ne vais pas bronzer. Je suis là, le feu. Le feu, il y a trop chaud comme ça. Je n'ai pas besoin de bronzer. Vous comprenez, non? Posez des questions. Si, toujours par manière, non? C'est comme ça qu'elle avait fait pour moi. Elle dit que si le bon a tapé Toto, comme on dit là, c'est que Dida Bella en prison. Oh, j'ai dit ça. Oh, c'est que Dida Bella en prison. Moi qui vous dis ça, tu n'as jamais tapé là. La mytho, là. C'est une menteuse. Elle a menti. Oh, là. C'est une menteuse. Toto ment. Qui dit d'abord avec tapé Toto là? C'est qui dit d'abord avec Toto? C'est moi qui vous dis ça. Tu n'as jamais tapé Toto. Jamais de la vie la tapé Toto. Toto, c'est une menteuse de chez mensonge. Menteuse patente. Elle manque comme elle est. Donc c'est une menteuse. Elle dit que mon beau l'a tapé. Si mon beau l'avait tapé là, c'est que mon beau en prison jusqu'à maintenant. Je vous mens. Le Canada ne rigole pas avec la violence. Ce sujet, je suis dedans, non plein. Je ne suis pas content. Je me suis dit. C'est tout, attendez. Vous voulez voir l'ongoï? Vous voulez voir l'ongoï? Et quand vous voulez voir l'ongoï, attendez, je vais vous montrer l'ongoï. Vous voulez voir l'ongoï? Attendez, prends le trépied, je vous montre l'ongoï. L'ongoï est là. Je fume l'ongoï. Attendez. Regardez les mains. Il doit être chaud, là. Une belle journée pour aller dans la piscine. Mathilde Louloute n'est pas là. Elle est allée chez. Mathilde Louloute n'est pas là. Elle est allée chez. Chez ses cousins, cousines et tout. Voilà l'ongoye. Vous voyez l'ongoye. Attends, comment je vais faire pour montrer l'ongoye? Attendez. Vous voulez voir l'ongoye? Non, attendez. Ouais, que. Chaleur et détail. Vous voyez l'ongoye? Vous voyez l'ongoye? Est-ce que vous voyez l'ongoye? Vous voyez bien l'ongoye. Ah, voyez les cœurs, non? C'est comment? Si vous voyez, vous avez vu l'ongoye. Je dois encore couvrir l'ongoye. Je fume l'ongoye. Non,
Donc, Kamia, j'attends tes preuves. Kamia. Même si vous prouvez moi. Kamia, Pascal, Véron, je fume l'ongoye. Moi, c'est pas poli, mais j'ai pas le choix. Je suis une femme très très occupée, donc je peux pas, vous savez, un peu goûter l'ongoye. Voilà. Goûtez ça.
On va prendre un petit gorgé de sangria. Maman, mon goût est bon. Excusez-moi. Je suis dans mon jardin. Toto, je t'invite dans ma piscine. Mm-hmm. Faut venir dans la piscine, la reine m'a bu. Mm-hmm. Aussi là. Il mange le ngoy. Il n'est pas encore bien fumé, il faut que ça fume. Au moins 8 heures. Mm-hmm. C'est au travail. Hein. Il faut surveiller le feu comme il faut. Mon truc là encore glacé. Si j'ai plus glacé, ma mère est glacée. Je veux boire. Boire même mon cerveau. Est-ce que j'ai? Je suis en vacances. Mm-hmm. Je suis en vacances. Je dis ça à Toto. Une femme prend sa fiche de déclaration d'impôt et vient mettre sur Facebook. Elle dit que mettez pour vous. Elle en vit par rapport à Facebook. Moi, je n'ai pas ma déclaration d'impôt et vient mettre sur Facebook. Vous payez quoi à vous? À notre santé. Camille, je t'attends. Apporte tout. Toutes les preuves que tu as. J'aime pas le mensonge. J'aime pas le mensonge. Recontacte. Je n'aime pas ça. Vous venez pas. Quelqu'un en train de s'exprimer, quelqu'un peine à être compris. La patronne de Facebook qui dit qu'elle est Numba Uno, la numéro 1, n'est pas capable de prendre son docteur pour le mettre, pour le discrédibiliser, pour l'aider à se discrédibiliser davantage avec tous les lynchages qu'il subit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tirer sur lui par manière. La numéro 1 de Facebook. Mm-hmm. Maintenant, on va au commentaire. Non? On me dit de lire le commentaire. Coquine, qu'on y mâche un commentaire, non, il mâche abonné. Salut la mère bio, juste une question. Pourquoi le bien a fait la prison? Je ne suis pas au courant de ça. Voilà. José Gonzalez. Premièrement, venons à la prison. Venons à la prison. Le bien n'a jamais fait la prison. Écoutez-moi bien. J'ai dit, oh, vous voici, je vous parle. Le bien n'a jamais fait la prison, ni accouché en prison. Jamais de la vie. Et là où le bien a accouché, il n'y a même pas de prison là-bas. La prison que Toto vous a citée, là, c'est une prison en région parisienne. Et le bien habite à Orléans. Là, on ne peut pas être incriminé à Orléans, là où le bien habitait, où le bon l'a laissé là-bas, là, et venir être en prison dans une prison à Paris. Donc, elle a quitté Orléans, elle est partie voler à Paris. Elle est en prison. Motif de prison, c'est quoi? Elle n'a jamais fait la prison de sa vie. C'est comme ça, quand Toto met quelque chose sur vous, comme mon mari, on vous a dit qu'il est parti, il n'est jamais parti, même Mouf, on ne s'est pas dit. Je suis amoureuse. Regarde comment je n'ai pas les rides. Tellement je suis bien. J'ai 50 ans cette année, je n'ai pas les rides. Vous voyez ça? Amoureuse comme le premier jour. Mako, tu as causé à être tombeau aujourd'hui, non? Mako, dis-le que tu as causé à être tombeau. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc je prends mon chéri, je le mets comme une marionnette pour vous sur Facebook. Vous êtes malade. Vous payez quoi chez vous? Hmm? Elle n'a fait aucune prison, ni en France. Elle dit qu'elle a fait la prison en France. Elle a donné le nom de la prison, il paraît, dans un de ses racontages-là. Et la prison se situe dans la région parisienne et le bon habite à Orléans. Comment tu peux faire un délit? Si je fais un délit ici à l'île Perron, on va me mettre dans la prison qui est proche. On va pas aller me mettre dans la prison loin, loin, loin de je ne sais où. Le bien n'a jamais accouché en prison. Je dis jamais. Même aller en prison, faire rien. Même voler. Il y a quelqu'un qui n'est pas capable de venir vous parler sur Facebook parce qu'elle minimise vos pètes. Elle est comme mon chéri, elle ne gère pas l'ombrakata. Mon chéri ne gère pas l'ombrakata. Vous avez compris? Je dis jamais. Ce n'est pas pour dire que je parle. Et que, est-ce qu'elle parle de le bien? Je porte les gants. C'est Mako. Depuis que Ngoï a fait tout ce qu'elle a fait, je dis bien. Ça fait 2 ans que je suis en guerre avec Ngoï. Ça fait 2 ans qu'elle parle avec le bien. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Je n'ai jamais arrêté de parler avec le bien. Je suis sur WhatsApp avec elle. Every single day a week. Vous allez faire quoi? Mais bon, me dire. Les commentaires, c'est les commentaires. Tu n'as pas vu la fille qu'on a attrapée à Congo Saba qui a dit que mon mari est parti sous ce sur à Montréal. Quand elle me suis assise sur elle 24 heures, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Oh madame, elle a du coup dit à son mari, non, je lisais seulement les commentaires de choses, je répétais seulement. Quelqu'un sort seulement une information, il dépose et puis ça devient viral. C'est comme ça que ça marche, les réseaux. Le bien n'a jamais fait la prison. Le bien n'a jamais fait la prison. C'est tout. Elle veut juste coller parce que c'est une personne qui est championne de coller une étiquette. Moi, par exemple, j'ai tué. Vous n'avez pas vu? Elle a dit que j'ai tué combien de personnes? Dites-moi un peu, parce que mon actif, je ne sais plus combien. Même ma mère, c'est moi qui a tué, c'est ça, non? Ma mère, ma soeur, mon père aussi. Je suis debout ici comme ça, j'ai tué tous ces gens-là, je suis encore ici. On ne m'a même pas fermé en prison, ni dans ma famille, ni dans rien. Ma famille ne m'a pas rejeté. Je suis toujours la soeur de mes frères. Moussa Traoré. Je suis toujours l'enfant de ma famille. Il y a mon tour, ma famille, on est tous ensemble. Allô, quoi? C'est des gens qui ont cru qu'avec les réseaux sociaux, ils vont détruire, au lieu de l'utiliser en bon escient. C'est ces gens-là. Qu'elle sortait avec un féman et c'est ça qui l'a entraîné à ça. Qu'elle
qu'elle a quitté le banc et c'est où le monsieur a rencontré l'autre. Facebook. Elle n'est jamais sortie avec une femme. C'est des histoires. Le bien n'a jamais côtoyé la basse classe, les milieux, les pètes. C'est une fille de famille. Oh, c'est pas possible. Mon frère Christian, quand il était venu, quand j'étais à Paris, il était venu. Il nous a dit ça. Il connaît le bien qu'elle allait au lycée. Il dit que la fille, c'est top modèle. Elle a fait les défilés. Elle a fait les défilés à Douala, mannequin de la ville de Douala. Pas que du quartier de Belé. Ville Douala. Grand défilé de la ville. Obia Agnès, elle n'a jamais fait la. C'est Toto qui a fait la prison au Cameroun. Elle a fait la prison en France aussi. Et on venait rafler là où elle habitait pour ramasser les cartes de crédit qu'il volait. C'est là qu'elle a fui. Vous avez vu comment son mari a expliqué une histoire de carte de crédit. Un monsieur qui vient chez toi dit que je vais commander les trucs sur le net et tu vas recevoir chez toi. Ça veut dire que tu es dans les messes basses avec lui. Donc tu es dans le fouma-fouma. Donc ça veut dire que Toto a volé la carte de crédit de Le Bon. Toto est complice de vol de la carte de crédit de Le Bon. De ce passé, monsieur là, parce que c'est qu'il y avait une histoire de vol de carte de crédit à un moment. Un monsieur que Toto faisait les posts pour lui sur Facebook. À l'insultant, il y a un moment là. C'est ce monsieur là. Et Toto est de connivence. Comment un monsieur peut entrer chez vous et voler les cartes de crédit de ton mari? Tu ne peux pas protéger les choses de ton mari? Tu es quel genre de femme? Qu'est-ce qui est important pour Toto en fait? Ses enfants, elle ne tient au cœur. Parce qu'elle a, je dis bien, elle a abîmé la santé psychologique de ses enfants. Elle a crucifié leur enfance. Elle a crucifié leur adolescence. Et voilà le petit qui est déjà majeur. Même ça, elle crucifie encore sa vie de majeur. Est-ce qu'une maman peut faire ça? Moi, je ne recule devant rien pour rendre mes filles heureuses. Hein? Je ne recule devant rien. Oui, moi, mes filles, là, c'est pour ça qu'on touche à mes filles, on m'a touché. On touche à mon mari, on m'a touché. Je suis avec personne. Non, c'est comme ça. Je ne cherche pas les problèmes, je peux garantir ça. Et ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à aller à la Genèse. Si vous avez le temps, vous allez à la Genèse. Vous n'avez pas le temps de circuler. Parce que dans la Genèse, vous comprenez l'histoire. Moi, je ne cherche pas les problèmes. On ne touche pas à mon mari, on ne touche pas à mes filles. Impossible. Mon mari ne peut même pas taper la mouche, mes filles aussi. Elles sont très bien élevées. Sur ça, là, je meurs sur ça, je dors. Vous venez à la fête, vous buvez. Vous faites les fûts de sangria, vous buvez. Sangria alcoolisée, pas non alcoolisée comme moi, là. Le bien a travaillé. C'est-à-dire que c'est, je vous ai dit que c'est une haut cadre dans les finances. Elle a étudié, mais maintenant elle est encore à l'école. Maintenant que vous parlez, pète-pète de goyi qui est entre deux camions, pète-pète de mouches. Le bien ne traite pas les mouches. Elle a balayé son mur, il n'y a pas de mouches. C'est vous êtes des voyous et des voyous tout du net. Je regrette d'avoir amené mes amis de cœur là-bas. Ce sont mes amis jusqu'à la gare. Je vous dis, quand je suis allé à Paris en mars, j'ai vu le bien. Mars, que je suis allé à la soirée, que Toto, quand Ngoya a rafistolé la soirée, est venu dire qu'elle a la lame et les couteaux pour me poignarder ou quoi. J'étais même déjà quitté là. Elle m'a vu assise, elle n'est pas venue. Pourquoi? Faux courage. Quand elle me lève pour partir, elle voit bien qu'elle part. Elle commence à dire que, allez-y, percez les roues. Il fallait percer même pendant qu'on était dedans. Tu ne savais pas que je t'avais mon petit frère. Il fallait aller percer ses roues une fois. Vous voyez, non? C'est ça. J'ai vu le bien. On a eu du bon temps. Les vidéos, même qu'elle postait là, c'est ça. J'ai appelé Le Bon, mon beau. Son WhatsApp le stipule. Mof! Pensez qu'on fait les. On vit avec les gens comment? Pensez que les valeurs intrinsèques, c'est quoi? Pensez que l'humain, la loyauté, c'est quoi? D'être reconnaissant d'un bienfait. Vous pensez que c'est quoi? Vous avez suivi comment dans son audio il a parlé d'un de ses amis, de Yams là? Vous avez suivi? C'est de ça qu'on parle. Quand quelqu'un est bien, soyez reconnaissant. Ne venez pas surpasser ça pour aller créer des situations, je ne sais même pas quoi. Ah, le feu montait. L'envoyé au feu. L'envoyé. J'ai deux feux. J'ai allumé deux feux. L'autre feu, c'est le poisson que je sèche parce que j'ai essayé le poisson. C'est dans mon direct que Le Bon aurait dû parler. Oui, il doit aller voir l'influenceur. C'est 140 000 abonnés. Il s'est arrangé pour faire un top sur son mur. Non? Il dit qu'à 200 000, il fait la fête. Donne-moi quelqu'un. Fête de nombre de gens. Tu n'es même pas capable de tenir un tâche. Du cadavre. Il faut te cacher. Elle dit qu'elle va me taper. Hier, j'étais au barbecue. Elle était où? Elle dit qu'elle va me taper. On est au Canada. Patricia l'avait ramassé. C'est un homme qui l'a prise dans ses mains. On l'a chassé du deuil là. Hier, j'étais au deuil, elle était où? J'étais très calme au deuil. Oui, elle était où? Pourquoi elle n'est pas venue? Elle savait pas que j'étais là. J'étais là, j'ai même fait le direct. Elle me cache. J'étais assise au deuil, j'ai fait le direct. Il fallait qu'elle vienne. Et elle va te taper. Ma chérie, vous avez vu quand quelqu'un mange le steak? Tant que ta maman là, tu vas voir un steak entrer dans ma bouche. Moi, fais-le, faites-moi. Tu me brûles. Une dotée de jour. Quand ça vous dépasse, déjà, vous allez l'acheter. On est un pays de droit. Je te fais enfermer, madame. Je te fais coffrer. Parler de quoi? Je vais te taper. Tu viens me chercher. Tu me publies. Tu me lèches. Tu me touches. Je dis que c'est là-bas la justice. Et le nouveau réveil que tu as encore fait, j'ai encore forwardé ça là-bas. Tu comprends, non? Et si tu t'amuses, tu vas recevoir ta convocation. Imbécile. Je te gère.
Une grande femme digne, intègre, assise chez elle calmement. Toi, tu as crucifié la vie de tes enfants. La vie d'enfance, la vie d'adolescence, tu as crucifié. Hein? Il ne sait pas se faire comprendre. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il est tombé dans les fosses aux lions. Ngoï, c'est une affamée. Elle mangeait dans tous les plats. Comme tu vois, elle a dit qu'elle supporte Toto, c'est une maman. Toto lui a envoyé 200 euros. Quand tu vois comme ça, elle parle un peu de moi. Elle dit, parle-moi. Tu m'as appelé, j'étais malade. Hein? J'étais occupée. Tu sais que j'ai mangé à ça, maman. Maman, elle est malade. Et c'est bien, bien. Hein? Ouais. Le truc que tu m'avais dit que tu m'envoies là, tu fais comment non? Tu sais que je n'ai pas au pays. Ma parasite. Bande de parasites. Je vous ai amené mes amis de cœur. Je les avais salis, humiliés. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que vous ne puissiez pas savoir la quinquessence, le poids de ce qui est devant vous. D'ailleurs, ce que vous avez fait de moi, le bon a très vite compris, le bien a très vite compris, s'est démarqué très très vite. Le bon lui était fan plus que le bien. Mais son fanatisme aussi, il a très vite déchanté. On vous voit, on vous lit. On vous lit et vous venez les mouches. Même pas de retenue, même pas de dire que non, même si on fait comment, même si on fait comment, souvenons-nous d'eux. Vous vous souvenez de rien, vous avez la mémoire courte. C'est pour ça que j'ai servi votre patronne. Je l'ai élevée, hissée au rang de star. Mais qu'est-ce que vous avez fait de moi? Je suis la risée dans TikTok, dans Facebook. J'ai une de mes filles très bio, très belle. Je te salue ma chérie. Elle s'assoit en face de moi, elle me regarde et dit, madame, vous êtes tellement intègre. Madame, vous parlez un français. Madame, quand j'écoute les autres, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Mais madame, je vous aime. Mais madame, je vous regarde depuis. Elle avait ses lunettes. Elle m'a regardé pendant 15 minutes dans ses lunettes noires et je la voyais me regarder. Je dis ça va, elle dit ça va bien, elle dit vraiment madame. Oh, elle était dépassée, abasourdie de voir une star devant elle. Une vraie star dans le rang de stars. Oui, oh, 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 c'est un peu ça. Si on dit qu'on met les tapis, les gens doivent marcher et que les gens doivent parler. Ça, nous, on va poser la bonne question avant de poser aux putes et aux prostituées du net que vous êtes. Oui, je parle aux faux profils, aux mouches métastasées de Ngoï, qui ont clashé moi, personne personnelle, qui ont clashé le bon, même pas 24 heures. Vous avez lavé le bon jusqu'à. Laver alors le bien, alors c'est comme votre cure-dent. Heureusement qu'ils ne vous gèrent pas. Ils ont de la hauteur. Ils ne vont pas vous gérer. Même Ngoï, ils ne vont pas gérer. On dépose. Prochain carrefour, on continue. C'est ça. C'est toi qui paies. Parce qu'ils n'ont que du bon à donner. Ils n'ont que du bon à donner. C'est des bonnes personnes. Moi, quand je vois quelque chose qui est bien, je vais toujours le dire. Je ne vais pas venir raconter. Non, c'est quand quelqu'un est bien, il est bien. Il faut reconnaître. C'est ça la vie aussi. Là, on conseille, là, on juge. Et puis, le bon a dit, quand on est fidèle dans des petites choses, Dieu nous donne les grandes choses. Voici une autre question. Masta, dans quelles circonstances as-tu présenté tes amis le bon et le bien à cette sapar de Ngoï? Ma chérie, j'arrive à Paris, c'est la Starmania, parce que je vous ai dit que le bien, c'était ma fan number one au début. Après, le bien est devenu ma co, j'ai baptisé. Alors, j'ai fait mon premier voyage à Paris. C'est le bien qui est venu me chercher à l'aéroport. Dans la période de la Starmania, bien sûr. Et j'étais où? Je suis allée directement à la maison. Je ne sais plus. Je suis à l'hôtel. En tout cas, je ne me souviens plus. Ngoï était allé vendre le piment dans un endroit. Et c'était la période de l'anniversaire de Nelly Linda. Avant ça, Ngoï voulait les recevoir chez elle. Après moi, que je sois venue. Quand je suis venue le temps là, justement, Ngoï était allé à l'anniversaire de... Comment on appelle? Et c'était la période de l'anniversaire de Nelly Linda. La preuve, je suis allée à l'anniversaire de Nelly Linda toute seule. J'ai même dit à le bien compagnie, elle a dit non, Emma... conduit là-bas, si je me trompe pas, parce que c'était loin, on allait même se perdre dans le bois pour entrer au château de Nelly là. Elle m'a déposé et pour rentrer, elle m'a dit de l'appeler, elle vient me chercher, ou je prends le Uber, mais comme c'était tard la nuit, je savais pas, je pense qu'elle est revenue me chercher, je pense, je te dis cette fille là, aïe, c'est ma co-petite soeur de bonbon à Colisée, le bon hein, c'est un mari, Toto a trop perdu quoi, qu'on le veuille ou pas, Toto, tu as perdu, le jackpot. Le seul ingénieur de son cursus. Parce que c'était qu'avec les bandits de grand chemin. C'est comme ça qu'on revient. Et Toto, je repars au Canada. On finit l'événement, je repars. Et Ngoï invite mes amis chez elle. Le bien, le bon. Ils ont dit, bon, ils attendent comme j'arrivais. Je vais encore arriver parce que le temps là, la Starmania était de taille. Je suis encore reparti. Et c'est quand je suis partie qu'on est allé ensemble. Je suis allée d'abord, la première fois que je suis entrée chez elle, j'étais avec le bien. À l'époque, je me souviens, elle n'avait pas encore reçu ses meubles que les mouches ont achetés avec l'argent du Letty, des orphelins. Et qu'elle achetait l'argent du litige. Elle n'avait pas encore reçu ses meubles. Donc elle avait un matelas au sol. Il y avait une fille noire pour télé comme ça. Je crois que c'était Sangha lesbienne.
Elle, elle donnait des ordres à cette fille-là. La fille devait servir à manger. Elle dit que moi, je suis là comme ça. Il y avait quelques chaises et il y avait sa copine qui l'accompagnait, FDL, et son blanc. Ils étaient là, on était assis sur des bancs comme ça. Je me souviens comme si c'était hier. Moi, je suis comme ça. J'ai la mémoire. Sur une bibliothèque. Appelez-moi, vous me demandez. C'est de famille chez nous. Ma grand-mère est morte à 117 ans. Elle avait encore sa mémoire. Si elle lui parlait, elle dit que c'est Nathalie. Elle sait que c'est Nathalie, que c'est sa fille. Elle donne mon nom, mon prénom. Elle dit, mais elle demande mon mari, mes enfants. Ce qu'elle sait qu'elle connaît, elle dit. C'est comme ça qu'on a la mémoire. On ne parle pas pour parler. Je ne dis pas pour salir ou pourquoi c'est la vérité. Quand c'est la vérité, on doit parler. Même au paradis, c'est ce qu'on va dire à Dieu. Comment ça se fait avec Dieu? Il va dire, viens ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui expliques ce qui s'est passé. Tu n'inventes pas Toto. Parce que quand tu vas dire, ya, il tape la règle sur ton doigt. Tu dis encore l'autre, il tape Toto, tu vas sortir avec les bosses parce que tu manques trop. Quand il y a comme ça, les gens comme les Kamia, ils vont venir sortir avec les bosses parce qu'ils mentent. Ils déclarent les choses, ils disent qu'il était. Il explique que. Il a même dit, tu me connais, oh, qui vit à Paris, dit que j'étais. Je faisais comme si je dois mettre les cotons dans mes oreilles. On était assis sur le banc. Il n'y avait même pas de table. On avait des bancs. Et le couple là, était là, le blanc et sa femme. La mince, là, la copine, la celle qui sortait avec le guinguerou de Konkana, que je dis souvent là. Elle était là. On a sympathisé. J'étais seulement avec le bien. J'étais seulement là à deux. Le bon n'était pas là. Le bon n'est même pas allé avec nous. Il disait, allez-y, c'est les choses des femmes. Le bon n'était même pas encore entré dans les choses là. Et puis, elle nous a servi à boire. On a tapé les dés. Elle a dit qu'elle attend les meubles. Après ça, c'était ça. C'était seulement la scène là. Et c'était l'époque où je devais avoir maintenant la fête du bateau. Après, on n'est plus parti chez elle. C'était la première fois qu'on est entré chez elle. Après, on n'est plus parti. On n'est plus parti. Après ça, quand la fête du bateau approchait. Non, j'étais venue une deuxième fois, mais pas la fête du bateau. Maintenant, quand la troisième fois que je suis venue, que c'est la fête du bateau, qu'on devait faire le lancement des produits. Voilà, je suis venue la deuxième fois, c'était le 8 mars. Voilà, vous voyez comment la mémoire vient, le 8 mars. Le 8 mars de Christelle que tu es. On était avec Reine Galloise aussi, voilà. J'étais venue, on allait chez elle avec ma cour. Et le 8 mars, on était à la soirée avec le bien, le bon, on a dansé avec Sergio Polo et tout. Ça, c'était la deuxième fois la première fois qu'on met les pieds chez elle et la première fois que ma cour répond à un rendez-vous d'elle. La deuxième fois maintenant, je reviens encore maintenant quand c'est le bateau, ça, je passe par l'Angleterre et je m'arrête à Paris. Le bon, le bien vient me chercher à l'aéroport et on l'attend parce que c'est elle qui a pris ma valise. Donc elle vient un peu plus tard. Et on prend la valise, on rôde autour de l'aéroport, on prend la valise. Pour moi, ils étaient très disponibles, mes amis. Si je n'avais pas ces amis, je ne devais même pas bien vivre ma Starmania. Parce que la Starmania, c'est avoir des bonnes personnes autour de soi. C'est ça que Ngoyi a chuté parce qu'elle a perdu toutes ces bonnes personnes qui sont nous. Envoyez les cœurs pour la chute d'Ngoyi. Envoyez les cœurs pour la chute d'Ngoyi. On est avec Reine Galloise, pardon, Nat Lumière, toi aussi. J'ai dit qu'elle a perdu Moumou, non. Ah! J'ai dit qu'elle a perdu comme ça. Oh, vous pouvez encore prononcer ça. Elle est maintenant la maman des orphelins. Elle a dit à son institut, son. Respectons ceux qui font des actions. Voilà. Donc, positif surtout. Voilà. La troisième fois, là, comme je vous dis, c'était le bateau. Et puis là, on s'est retrouvés. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pendant le bateau, elle est venue plutôt nous voir à la maison chez Le Bon Le Bien. Et on devait parler pour qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en mars, que j'étais venue, on est allé à la soirée. Après ça, est-ce qu'on s'est vu en mars? Je pense pas. Non, c'est pas vu en mars. La troisième fois, voilà. La troisième fois. Première fois chez elle avec le bien seulement. Deuxième fois dans sa maison. Parce que mars, là, je ne crois pas qu'on est allé chez elle mars, là. On a fait la journée de la femme. Oui, oui. Je crois qu'on est aussi allé chez elle en mars. Je me souviens plus. La femme, là, est venue. La femme de Toulon, là. Où c'est Toulon, c'est Toulouse. Qui a payé, qui a financé FDL, là, sa copine, là. Elle est venue et avec son blanc. Et le blanc avait perdu son père. Voilà, c'était le temps qu'il avait le deuil. Et c'est là où il a eu la succession après. Quoi. C'est pour ça que FDL arrive. Donc ça, c'était en mars. Donc c'était la deuxième fois. C'est ça, non? C'est ça, quelque chose comme ça. C'était la deuxième fois, je crois. En tout cas, je ne me mélange plus. Donc c'est ça. Et puis, on a vu, c'est là qu'elle a dit qu'il a deuil. Nous, on l'avait vu la première fois, il n'avait pas deuil. C'était pendant la fête de Nelly. La deuxième fois, il avait deuil. On est venu, on l'a vu, et elle a parlé du deuil, mais on n'est pas allé à la maison. À Mars, là, on est parlé dans sa maison, je crois, de Ngoyi. Après ça, maintenant, en juillet, maintenant, c'est la soirée de Satan éternel. Donc, on se retrouve à Paris, mon chéri. Et là, Ngoyi ne devait pas nous recevoir parce qu'elle était occupée toujours avant de son piment dans ce secteur. Et la soirée de Satan éternel en juillet, puisque le bateau n'est pas encore, mais elle a déjà le bébé naissant. Après ça, où elle a fait quoi? Elle devait aller en Espagne pour un truc ou je sais plus quoi. Elle devait aller en Espagne pour un événement où on devait aller à un mariage. Elle devait aller en Espagne. Finalement, elle a annulé l'Espagne. Elle a une fois dit qu'elle nous reçoit. Elle nous a reçus par concours de circonstances comme ça. Je vous dis, j'ai la mémoire. Et quand elle nous a reçus, c'était mon mari, le bon, le bien, moi. On était quatre.
Satan Internet devait venir, mais on est venu avant. Elle nous a sorti la chemise du business plan. On a vu que tout était élaboré, vraiment professionnel et tout. Et ce jour, je me souviens, le bon lui a donné des conseils et tout. On a parlé, mon chéri aussi. On a vraiment dit c'est une bonne chose et tout. C'est là qu'on s'est rendu compte que madame a pris les lunettes, mon projet de lunettes, elle l'a mis dedans. Et voilà, ça c'était chez elle. Après ça, on avait déjà fini la soirée et on rentrait puisqu'il n'y avait plus le mariage d'octobre. Ça, c'était la fois où on est allé. Nous tous, vous avez vu même la vidéo et tout. Et tout. Je crois que Facebook donne même les souvenirs. Je crois que j'ai vu un souvenir comme ça que j'ai supprimé, en fait. Voilà, ça doit être sur son mur à elle. Mais moi, chez moi, j'ai supprimé. Quand je vois les choses d'Ngoye, je supprime tout. Je ne veux plus jamais avoir affaire à elle. Je vous jure, il n'y a même pas la paix qui tient. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ça, c'était J. Et maintenant, je vais au Canada. Et maintenant, on a l'événement de l'Angleterre. On s'en va en Manchester. Maman, la Starmania était de taille. On va à Manchester. Et quand on arrive à Manchester, je m'arrête à Paris. Et c'est là qu'ils me prennent à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, on tourne, elle arrive. On prend ma valise et on s'en va. Et c'était le J. Et maintenant, J, là, on l'appelle. Parce qu'elle, là, tu lui laisses les messages, elle répond jamais, c'est vrai. Nat Béni dit qu'elle écrit le nom Moumou, même si je ne veux pas. Elle écrit Pian. Et voilà, les enfants, ils sont quand même têtus. Et mes enfants, si. Ouais. Moi, c'est plus ma Moumou. C'est ma reine Galos, pardon. Elle fait des actions vraiment à louer. À pression quand c'est bien. Et puis, j'avais dit que c'était bon. C'est la reine Galos, la maman des enfants à défi particulier. Après, on est allé à. Donc, ça, c'était le bateau. Elle est venue nous voir chez le banc. Et quand elle est venue, on devait commencer à parler des choses parce qu'on était un peu inquiet. On disait, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce qu'on pensait faire des bouchées nous-mêmes, on achète les choses et tout. Mais après, elle a dit qu'elle a pris un traiteur. Donc, c'était ça. Et elle a commandé des moussungas chez Masmol. Masmol était là, je pense, quand on s'est rencontrés à la maison chez mes amis. Je crois que c'était la première fois qu'elle venait chez eux, si je ne me trompe pas. Et puis voilà. Après, elle a dit, non, c'est bon, on va faire comme ça, on va gérer. Nanana, tout est beau, il y a le traiteur, il y a ci, il y a ça. Et c'est là que mon beau a donné, je pense, 500 euros, si je ne me trompe pas, à sa soeur, de faire aussi d'autres bouchées. Là, on avait beaucoup de bouchées sur le bateau. Ça, ma Vicky Love a fait beaucoup de belles choses. J'ai travaillé la cuisine presque toute la nuit ce jour-là pour les bouchées qu'on avait fait pour ça. Ensuite de ça, on a fait... voilà comment ça se passe, quoi, donc. Petit à petit. Déjà, quand on lance Docta, là, que vous entendez, quand on lance les produits avant que l'événement arrive, voilà, avant que l'événement arrive, on lance les produits. Elle avait d'abord fait le lancement avant de venir en Angleterre, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et ils sont invités là-bas, mes amis. C'était la première fois qu'ils sont invités. Donc, Mako m'explique que là, on est invité, on va aller à le lancement officiel. J'ai dit, OK, bonne route, amusez-vous bien. Parce qu'elle m'informait toujours. Parce que vraiment, Mako, là, elle est vraiment carrée là-dessus. Vous ne pouvez pas doubler ou couper. Vous êtes encore là. Maman, restez, ne partez pas. Ça va couper, il signale. Ngoye, il signale. Et c'est là. Ah oui, je viens coquille, je vais répondre à ta question. C'est là que finalement, ils sont allés au bateau. Et puis ma co m'a expliqué qu'ils vont aller au bateau. Ils vont aller à l'ouverture. Et arriver sur place, c'est là qu'on prend. On a pris mon beau pour être docteur. De but en blanc, il ne savait pas. Ils sont arrivés et tout. Et c'est là qu'on l'a pris pour être docteur et tout. Et avant, c'est là qu'on fait des ruinards et tout. Et donc, Toto avait. Ngoye a vu que l'endroit s'y peut être bon. Elle a du coup mis sur ses essais. Elle ne m'en parlait même plus. Elle passait seulement derrière, elle faisait ses choses. J'ai regardé aussi comme ça, elle m'en foutait. J'ai dit, ben, c'est mes amis, ils font comme ils veulent, c'est tout. Mais Mako me rendait compte tout le temps. Et puis voilà. Entre-temps, elle a fait. Comment je peux dire? Elle a fait le docteur, comme vous avez vu. Ça s'est bien passé. Et tout, c'était vraiment improvisé. Hein, mais c'était pas payé, là. C'était bien. Parce que le bon vous a dit. Quand il parlait, il s'est prêté, il a dansé dans un clip, il s'est prêté un jeu de gens, de sans papier, de quoi, de la banque. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, s'il peut mettre sa main dans la pâte pour que les gens évoluent, il aime être au service des gens, c'est sa valeur intrinsèque, tu vois. Et voilà, donc c'est comme ça. Et ça, c'était pour le bateau. Ensuite, quand je suis venue, c'était le souper. Quand on s'est vu à la maison, elle a dit que non, tout est beau. Alors, il a donné de quoi à Vicky Love, on a fait des bouchées et tout, on était au bateau. Donc c'est comme ça. Tous les coffrets, il a noté que tout le monde a acheté ses coffrets par lui-même parce qu'elle n'a donné rien à personne. Vraiment chiche cette fille-là. Alors du coup, mais c'est pas grave, là, c'était correct, on n'avait pas de soucis pour payer. Là, on se dit, bon, si ça peut encourager, c'est toujours bon. Donc voilà. C'est comme ça que mes amis rentrent, quoi. Et après, maintenant, elle passe à eux, elle ne me gère même plus. Donc on s'est dit, méfiez-vous de Nathalie. C'est comme ça qu'elle fait. On va commencer à faire les messages de méfie-toi de telle. Elle aime trop dire ça. Maman, oh, je filme l'ongoye.
dois monter là. Eh, c'est facile de fumer l'ongoye. L'ongoye a la graisse jusqu'à. Tu restes pas à côté là. Hein. L'ongoye va fondre fou. Bon, ta question est répondue. C'était coquin cogné. Coco que j'ai fini ta question. Tu as compris comment ça s'est passé, non? C'est comme ça. Et moi, je suis pas le genre, j'amène mes amis et puis je veux contrôler. Ils font comme ils veulent. Je vais lire aussi ton autre message, Coquille. Ça, c'est très pertinent. Accuser un homme de viol est très dangereux et aussi une façon de mettre votre vie en danger. Si vous ratez votre plan, l'homme va vous tuer. Mana, fais attention. Tu es amoureuse de le bien. Tu es amoureuse. Le bien est en vengeance. Il ne t'aime plus. Le bon, tu veux dire. Non, le bon ne va pas se venger d'elle. Je pense pas, il n'est pas satanique là, il n'est pas criminel. Jusqu'à preuve du contraire, quand le bon explique, il n'a rien fait de méchant. Il veut juste que ses enfants aient les papiers s'ils peuvent venir le voir. C'est même le débat qu'il y a. C'est que les enfants n'ont pas les papiers, mais que les enfants aient les papiers. Et Camilla vient mentir, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elle m'a dit de lire les questions, mais je lis là, non. Ok. Attendez. Le nom s'il me manque. Je sais seulement les doigts pour ne pas l'écrire. Ouais, ok, les gens s'y est. Olga, tu es un cas. Aïe, les gens s'y sont, vous êtes graves. Cette dame-là doit avoir besoin. Elle tape la bouche, qu'elle va te taper. Donc, cette dame a besoin d'assistance psychologique. Elle attribue aux autres ses devoirs. Mari, parti, prison, dépression. Ouais, il faut envisager une aide pour elle. Maman, c'est à moi qu'ils écrivent que j'ai besoin d'aide. Non, tu vois pas que je suis sur son mur, calé là-bas comme une dépressive et je ne sais pas quoi. Ici, si je fume l'ongoye depuis le matin. Il ne sait pas se faire comprendre alors que son combat est légitime. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il ne sait pas, c'est juste qu'il va dans les mauvaises plateformes. La plateforme qui croit que c'est elle qui va l'aider, c'est la plateforme Mbrakata. Influenceur et blogueur, influenceur, influenceur et tout. Mais il y a influenceur, que dire? Que bébé, tu sais dire? Vous parlez, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. N'importe na what. Très bon le sangria. Maman, je bois mon cerveau. Mais c'est dans ton direct que le bon aurait dû parler. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Du camel lui a proposé. Que oh, elle sortait avec un femme aka. C'est des histoires pour le bien. J'ai répondu pour le bien, non. Jamais de prison, jamais de tout. Il y a d'autres questions. Posez des questions. Hein. On dit quoi? Lis les commentaires. Salut la mère, j'ai juste une question. Pourquoi le bien? Enfin, non, j'ai déjà répondu, José. José, j'ai déjà répondu. Oui, la reine met bio de l'huile. Oui, oui, Alou, je suis dans mon jardin. Là, je voudrais mettre des roches, là. Je veux qu'un ruisseau coule par là. Ça fait... L'eau coule. Non, dans ceci, fontaine, en couler. Voilà. Je dors au sous-sol de où? Maintenant, je ne suis plus dans la voiture. Toto a dit, Ngoya a dit la voiture. Elle a dit que le sous-sol. Le sous-sol de où? De chez elle. Je vois là sur les gens. Je dors au sous-sol de où? Ah, wapi. Maman, les elle est venue. Elle a dit qu'elle venait filmer, non? Il faut qu'on attend ces photos qu'elle va mettre sur Facebook. Vous êtes fatigué. Vous suivez une malade comme ça. Mana la Tongala, si tu es dans ce direct, oublie Alexandre. Tu as fait plus qu'une criminelle. Accepte ton forfait. Oublie Alexandre. Sinon, la vengeance va te coûter ta vie. Parce que tu as détruit la vie de ce monsieur. Fais attention. Oublie ce monsieur et dans la vengeance. Dommage que tu rêves l'amour. Quel amour? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Seulement sa fausse identité. Vous connaissez l'histoire de la fausse identité. On revient dessus. On peut revenir dessus. La fausse identité née. Née du père. Tanke. Le papa s'appelle Monsieur Tanke. C'était un vigile à l'ambassade de France. Il a tellement rêvé à aller en France. Sa mère, c'est Nia Madeleine. Mais sa mairie ou son acte de naissance qu'elle donne à son mari, sans lui dire qu'elle est adoptée, hein. Sa mairie, c'est Hawaï, qui n'existe pas. Pardon, dites-moi, Yaoundé, si à la mairie de Hawaï. Mais son nom, sa date de naissance coupée, menée en 1976 sur ses papiers. Elle ne ressemble pas à une femme de 76. Quand tu la vois là, ouh! Maintenant, attends, quelqu'un dit quoi? Maintenant, elle est en 1976, qu'elle dit là, Emma. Le bon a dit. Le papa, c'est femme. Hein, maintenant, le papa même dans l'acte, c'est femme pour David. La maman dans l'acte, c'est Meng Françoise. Maintenant, le papa, lui, il est né. Oui, Ngoï, elle, c'est 1969. Le papa, c'est femme pour David. La maman, c'est Meng Françoise. Et femme pour David, c'est le mari de sa soeur de Yaoundé. Lui-même, il ne sait pas qu'il est le père de Mana ici. Elle n'a jamais invité ce père-là ici. C'est son vrai père qui vient ici. C'est père adoptif. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas de sa soeur. Mais elle a pris le nom de son mari, elle a mis. Sa soeur même ne sait pas que son mari est comme ça. Il est un papa au Canada. Le mari de. Madame Fampou. La soeur de Toto.
ton mari demande le visa au Canada, il va être coincé. S'il demande le visa, il ne dit pas que c'est pour toi et une de ses filles, on va le coincer. Parce que ici, tout se met aux archives. Vous prenez les noms des gens, vous mettez dans vos choses, vous les informez pas. Si tu tentes de demander le visa, tu n'as pas au Cameroun. Ma chérie, tu vas pas entrer. Même si tu viens voir ta soeur Flora, quand tu t'entends plus avec Flora, tu ne t'entends pas avec Toto, fais gaffe, tu ne vas pas pouvoir entrer. Moi, je dis dans l'air juste, je vous dis que la vérité. Tu ne vas pas pouvoir entrer. Madame Fampou, la vraie Madame Fampou, là. Ton mari est marié à Meng Françoise. Et ton mari est papa de Fampou avec Meng. Donc, elle a mélangé tout. Au lieu de te prendre toi, sa grande soeur, parce qu'elle a coupé son âge, elle a mis en 1976. Si elle prenait ton mari, elle ne pouvait pas te prendre la grande soeur parce qu'à l'âge que tu as, tu ne peux pas coucher un enfant de 76. Qui, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Bref. Au lieu de te mettre une fois toi et ton mari pour bien arranger, elle t'a mis toi et l'autre nom c'est la femme de son père, donc Meng Françoise. Donc elle vous a mélangé. Ne tente pas de faire le dossier du Canada. Je t'ai dit, oh, parce que si tu fais le dossier du Canada, si tu fais le dossier du Canada, on va t'arrêter. Parce qu'on va taper le nom de ton mari, on va voir que c'est rattaché à Meng. On va, le Canada va vite. Hein. Les recherches ici, ça ne rit même pas. Tout est rattaché. Donc c'est ça. Pas femme pour, fais attention. Le docteur vient d'où? Le nom docteur vient que c'est lui qui était, quand il était arrivé, la première fois qu'il met les pieds chez Mafo, chez Magina Kinkam, putain, pour présenter ses produits, pour voir le lancement de ses produits, elle lui dit, elle lui annonce ce jour que tu vas jouer le rôle du docteur, on va faire comme si, comme elle disait qu'elle était enceinte d'accoucher, fière de lécher, là, la compagnie fière de lécher. Donc on lui a alors dit que tu vas faire le rôle du docteur qui va accoucher. Donc il est arrivé souvent comme ça devant la porte, il dit que tu vas jouer le rôle du médecin. C'est la commerciale, là, j'oublie son nom. Nadia, whatever, c'est elle. Elle dit que tu as joué le rôle du médecin. Oui, elle appelle tout le monde grande soeur. Tu es ma grande soeur. C'est ça, c'est les filles qui ont un souci avec l'incumé. Pas femme pour, tu as une fille au Canada. Pas femme pour, ne sait pas qu'il a une fille au Canada. Pas femme pour, pardon. En allant faire les dossiers du Canada, fais gaffe. Parce que ce que Toto t'a fait là, on va t'arrêter. Hein. On va t'arrêter ici. Elle a mis ton nom, que tu es le père. Que son père, elle a pris une certaine maman Niam Adela, elle a fabriqué l'âge, Meng France, elle a fabriqué l'âge de Meng. Meng n'existe pas. Toi, peut-être pas femme pour, je sais pas si elle a gardé ton âge, mais elle a mis ton nom. C'est compliqué. Organisez-vous là-bas. C'est chaud. Organisez-vous dans la famille, faites la réunion. Parce que l'ensine t'a tombé. Elle dit que Marie, nous tombons. Le bon est juste incompris. Moi, je soutiens le bon jusqu'au matin. Les yeux fermés. C'est comme ça. Quand Mia nous amène les preuves, nous on a les audios que les enfants ont témoigné. L'avocat de Le Bon lui a remis ça dans le procès, dans le dossier. On a ça. Que quand Mia amène les preuves que les enfants ont dit que les pères violaient les mères. Quand les enfants vont quitter derrière, ils ne vont plus la voir. Hey, mais tu as beaucoup de nouveaux qui te suivent. Hein, quand je vois les questions posées. Je t'ai dit, maman, j'ai percé. Oh. C'est un bracata. C'est seulement. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'histoire. C'est comme ça les réseaux. Quand il prolifère comme ça, ça s'en va. Il y a une fille qui me dit, madame, j'ai seulement suivi ça il y a 4 jours, mais je ne comprends pas. C'est vous qu'on a dit que vous êtes folle. Mais j'ai suivi l'autre, madame, elle a l'air bizarre. On n'arrive pas à comprendre. J'ai suivi l'autre. Quand elle parle, c'est un sens, c'est bizarre. Vous avez dit qu'elle a fait les formations. Est-ce qu'on a besoin de trop de formations pour être prompt, agir et proactif? Il y a des gens qui sont autodidactes hein, et qui s'en sortent très bien. C'est une question d'éducation et de valeur. Donc, les doctorats de Toto et compagnie, là, on n'en a rien à foutre. Hein. On s'en beurre le derrière avec. Hein. On s'en beurre le derrière avec hein, le doctorat. Je suis comme ça à l'ombre. Hein. C'est pour ça que je suis sous mes arbres. J'ai des petits coins tranquilles dans le jardin. Je sirote mon sangria sans alcool. Hein. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne bois que du liquide. Donc, j'ai mis du jus de raisin rouge. Hein. J'ai mis des pastèques dedans. J'ai mis du jus d'orange. J'ai mis des glaçons. Et j'ai mis l'arôme de sangria, mais sans alcool. Parce que les enfants, des fois, quand les parents boivent sangria, ils veulent aussi. Donc, moi, j'ai acheté un sachet de sangria sans alcool, 0% d'alcool. Pour faire comme si on est en train de boire le vrai, quoi. Goûtez ça. J'ai pas faim. Là, je fume l'ongoye. Peut-être qu'après, je vais prendre l'ongoye, comme ça, je vais assaisonner avec un bon piment. Et manger juste ça à sec. Je me lave, je me couche, je dors. La nationalité de Toto. Toto est de nationalité camerounaise, mais sa mairie là sort de quel pays? Sa nationalité c'est Nonim. Toto appartient à un pays qui n'existe pas. La nationalité de Toto c'est je n'existe pas. Mon nom est fake. La mairie qui m'a accouché est fake.
mon statut et mon identité au Canada est fake. J'ai trop de problèmes. Et j'ai crucifié la vie d'enfance et l'adolescence de mes enfants. J'ai pourri la vie au monsieur qui m'a repêché pour faire de moi la mère. Parce que c'est un repêchage que Toto a eu pour être la mère des enfants. Il a bien dit, ma femme enceinte avorte. Elle a bu l'eau de Javel, elle est à l'hôpital. Ça, là, j'ai dit ça. On ne répète pas tout le temps, tout le temps. Chaque temps, je ne vais pas répéter. Sauf que à ce moment-ci, non, c'est chaud. ma nationalité, c'est je n'existe pas. Nos pays, vous voyez, non. Et canadienne, là, elle disait toujours, elle avait toujours annoncé qu'elle a rendez-vous. Dans le direct que Ducamé a fait écouter hier nuit, elle annonçait qu'elle avait rendez-vous pour aller prendre sa citoyenneté. Depuis là, vous connaissez Toto, ma bruit. Si elle avait la citoyenneté canadienne, on allait respirer. Est-ce qu'on allait respirer, mes fans? Dites-moi un peu. Ce que Toto allait aller, surtout à Paris, pour même se produire. Depuis là, je lui ai dit qu'elle roule seulement, tu pars à la colle. Tu tournes, tu reviens. Moi, je vais me taire. Moi, le collègue dit que j'accepte. Sans dame. Oui, les coins stratégiques, quand tu t'assois ici, là, tu es calme. Si tu as un petit livre, là, tu lis calmement. S'il y a un petit ruisseau qui coule ici, comme ça, ça fait du bien. Je vais mettre une fontaine. La fontaine va être là, ça coule. J'aurais bien aimé par là, mais non. Comme je veux construire un petit truc ici, je vais mettre par ici. Une petite fontaine. Vous voulez ça? T'assois là, tu lis un livre. Quand on te cherche, elle est où? Dans son coin perdu du jardin. Calme. Calmement, calme. Les enfants n'ont jamais voyagé, même pour aller au Cameroun, même pour aller à Cuba, même pour aller, bon, dans le Canada, oui, ils peuvent. Mais après ça, ils sont en prison ici depuis qu'ils sont entrés. Ils veulent aller voir leur papa, ils peuvent pas, ils n'ont pas d'identité. C'est l'enfant, c'est le fils qui a dit à papa qu'ils n'ont pas les papiers. Maintenant, est-ce que c'était le monchon? Parce que Kamia a dit qu'ils ont les papiers. Kamia, nous, on veut les preuves, les papiers des enfants. Parce qu'on débattait pour ça. Si tu as les papiers, dis-nous. Donc, ça veut dire que Toto voulait frapper mon beau. Donc, quand Toto annonçait qu'ils n'ont pas les papiers, c'était une frappe. Elle voulait frapper mon beau. Elle voulait, genre, qu'il dégage des montants pour aider pour qu'on fasse ses papiers. Et chop. Elle va acheter un autre sac à main. Ouais, pas où avec les sacs à main. Je t'ai même pas payé. Je t'ai pas vu. Tu vas me battre. Tu vas t'attacher sur les mains des gens quand vous les battez là. Moi, je cherche des trucs pour voir les gens. Que tu vas battre, que tu as battu, je ne crois pas. Tu n'as caché que les mains des gens pour les battre. Tu parles, non? Tu cherches des problèmes à quelqu'un pendant des mois, des années. Il te répond, tu dis que tu vas les battre. Tu vas attacher même. Je vais te manger comme un steak. On ne va pas te dire. Ok. La mouche, tu es en train de binda ou quoi? Ok. Maman, Toto dit qu'elle va me battre. Qu'on nous montre les passeports. Nous, on veut les passeports. Kamia a dit qu'ils ont le papier. S'ils ont les papiers, nous, on n'a pas de problème. Nous, on est d'accord que les enfants aient les papiers. C'est même bon. Parce que c'est pour ça. C'est surtout pour ça. Parce que monsieur Lebon veut déjà voir comment l'aîné qui a 18, 19 ans, 20 ans, il peut prendre un billet d'avion. Voilà. Mais Toto maltraite ses enfants. Toto, c'est que le chantage que Toto fait à ses enfants, quand ils vont glisser dans sa main, elle se défait longtemps avant de les revoir. Je vous promets. Les enfants l'endurent, le mati. Elle faisait souvent les mamites de Sangha. Une grosse mamite avait 500 maïs. Elle prend 10 sachets d'épinards, mais elle dit qu'il mangeait ça 5 jours. Elle est sur Facebook avec les différents comptes en train d'insulter les gens à Montréal. Les différentes pages. Elle met la main, chauffer le sangha, ils ont fait. Chauffer le sangha, ils ont fait matin, midi, soir. Ils ont vu le matin, hein, les enfants là. Je parle comme ça, ils vont m'écouter même un jour. Ils vont dire que la mère s'y fait comment pour savoir. C'est terriblement vrai. Mm-hmm. Elle prend 100 maïs, elle met dans la mamie. Elle prend 10 sachets d'épinards, elle met dedans. Elle prend les noix, elle ouvre les tofu là, elle lance même 10. Elle bouge ça comme ça, elle pose, elle dit qu'ils vont souvent manger ça matin, midi, soir. Les enfants se purgent qu'avec. Elle suffit pour qu'elle te décide. Les caricatures, les posts, les faux profils, les ci, les ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle est où avec? Surtout égale à moi-même. Aimée dans ma ville. Ah, Montréal. Merci Montréal. J'aime Montréal. Le Canada m'a tout donné. Le Canada m'a tout donné. Elle dit que quand j'accouche, je fais in vitro. Maman, donc j'ai les moyens pour me payer in vitro. Moi, j'ai fait des fausses couches à Toto. Ici, chez moi. Je ne me cache pas de ça, c'est la vérité. Et je m'en fous. C'est arrivé comme ça. Mon mari ne m'a jamais marié sur gage d'accoucher 10 enfants ou 20. J'ai fait, ça n'a pas donné. Et si une autre fait? Si une autre fait? Tu vois, non. Si une autre fait, ça va être correct. Et vous savez, ce problème avec Toto, il y a une dame. Il y a une dame. Je ne sais pas si cette dame, je ne sais pas comment faire pour qu'elle intervienne. Je n'ai pas de téléphone, à moins qu'elle ne appelle en direct de son, même si c'est de son faux profil, je la prends en direct. Cette dame qui a parlé chez Ducamé,
C'est une dame il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, qui m'a appelée. Le jour qu'elle m'a appelée, c'était toujours pour le nom des enfants. Madame, excusez-moi, je vous appelle pour les enfants. Les gens, vous savez que toutes les interventions, c'est pour les enfants. Pourquoi elle met sa frustration sur moi? Mais il faut chercher le bouc émissaire, chérie. Quelle question tu poses comme ça, Anissa? Il faut chercher le bouc émissaire. Elle met ça sur moi parce qu'elle n'a pas d'autre issue. Elle voit que je suis l'amie. Oui, ça fait 4 ans exactement que Nina Bochard travaille sur ça. Exactement 4 ans, si je ne me trompe pas. Elle voit que je suis l'amie de le bien. Elle voit que je suis l'amie de le bien. Et elle voit que je suis l'amie de le bien et de le bon du couple. Et il faut qu'elle me détruise. Ça l'énerve que je sois. Vous n'avez pas vu quand on a pensé que le couple était contre moi, quand il y a eu la scène du téléphone chez. C'est la maladresse qui s'est passée au niveau du téléphone chez Ngoï, que Ngoï a tout orchestré là. Vous vous souvenez? C'était vraiment quelque chose d'assez costaud là. Toto s'est réjoui sur Facebook. Elle a dit que le bon va me clasher. Et que bonjour mon unique tam-tam. Ouais, tu arrives quand je ne fais que parler. Je suis en train de fumer l'Ngoï. L'Ngoï au feu. Je fume l'Ngoï. Je fume l'Ngoï. L'Ngoï au feu. Mon unique tam-tam. Vous vous souvenez de cette histoire du couple quand elle a dit que. C'est pour ça qu'elle me met comme le bouc émissaire parce que. Elle était très fière quand il y a eu la situation que Ngoï a interagi sur le problème. Et elle a dit Kachouka, pas le bon va te clasher, pas Tani va te clasher. Et puis elle aussi dit ah, le bon, elle a fait des audios, elle disait que moi je vais la. Elle dit qu'ici à Montréal, j'ai comme pas mal de. Elle a fait des messages comme quoi, où c'est que j'ai fait des audios, j'ai balancé dans tout Montréal que je vais clasher le bon. Je vais le clasher qui m'a fait quoi? J'ai rien à redire sur ce couple. Rien de spécial, je vous promets. J'ai rien à redire. Quand je ferme mes yeux, même mon mari. J'ai dit même mon mari. Non, cause avec eux comme s'il n'y a rien là. C'est vous sur les réseaux qui avez ce que vous avez là. Franchement. Donc, quand il y a un intermédiaire, quand il y a une personne qui décide, qui voit clair sur l'affaire, que le bon a réussi à expliquer l'histoire et qu'il a pris, n'est-ce pas, une bonne synthèse et mieux écouter le problème. Toto a un problème avec ça. Et comme le bien est mon ami, parce que Toto, si le bien meurt, elle va être contente. Mais il faut qu'elle demande à Dieu. Ouais, non. Il faut qu'elle demande à Dieu. Il faut qu'elle demande à Dieu. Si le bien n'est plus là, elle va être contente. Mais il faut qu'elle demande à Dieu. Parce que le bien, c'est son mari qu'elle a volé. Mais elle veut inverser les rôles. Alors, je suis celle qui explique le mieux cette histoire. Enfin, c'est comme l'huile que je me honte avec. Mon huile, mes huiles végétales que je me honte avec. C'est doux. Ça pénètre. Toto n'aime pas ça. J'explique l'histoire. Comment elle s'est passée. Ça, ça dérange le menteur. Le menteur n'aime pas la vérité. Il n'aime pas quand on dit la vérité. Et la dame du profil là, qui est intervenue même chez Ducam, mais c'était un peu brouillé, je ne sais pas, elle doit être dans un endroit qui a un souci de réseau, je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas bien expliqué. Cette femme a combattu, cette femme a travaillé avec moi, travaillé avec Toto. Elle m'a dit, je viens de finir de parler avec Mana. Elle me rappelle, je viens de finir. Elle appelait partout, elle appelait le bois, elle m'appelait Mana. Elle voulait une conciliation, elle voulait stopper l'hémorragie et que les enfants soient corrects. Mais elle a vécu tout ce qu'on a essayé pour les enfants, ça n'a pas marché. Tu voulais parler de la dame qui a parlé dans le direct du Cameroun. N'oublie pas ma star. C'est ça que je dis. Et cette dame, c'est une dame qui m'a approché un matin comme ça. Bonjour, bonjour, je viens parce que les enfants, nanana. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu seras réceptive si je fais une tentative? Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas comme si je ne suis pas ouverte. Hein. Que les gens ne vous font pas croire ce qu'ils vous font croire. Moi, je suis ouverte au dialogue. Mais il faut qu'on tienne le bon bout, quoi. Moi, c'est moi, on ne me fait pas chanter ou on pompe à quelque chose qui est faux et puis je reste ici. Je dis, ok, fonctionnant et j'accepte le faux. Non, 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 non. Même au paradis, Dieu me connaît. Quand je vais arriver, Dieu, le cœur là que tu m'as donné, ça refusait le mensonge. Donc moi, je suis sur la vérité. Il sait que quand il va faire mon tribunal ou mon jugement, il va dire celle-là, wesh, ça part de vérité, elle a interprété ça d'une autre façon. N'importe quoi, vous laissez mal la vérité. Donc il y a les fouma, souvent il y a les modèles et les monchons comme Toto. Moi, je ne suis pas dedans. Cette dame a tout fait. Quand je dis tout là, elle a le dossier en main. C'est-à-dire, si on va même devant un juge, elle est capable d'aller parler. Elle a fait toutes les démarches qu'il faut. Elle a été au bout de ses efforts. Elle a dit, merci, je dépose. Il y a 2 ans, elle a dit, je dépose les armes. J'ai dit, bravo. Si tu étais venue, je t'avais dit, oublie. Tu allais dire, non, j'étais laissée. Bravo. Elle a déposé la tire et sa révérence, elle est partie. Oui. Oui. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais à Paris avec mon chéri. On était chez Le Bon, hein. On était à Paris. On était chez Le Bon. On a fait 10 jours, je pense. C'était un très beau séjour avec mon mari. On a des très beaux souvenirs. Franchement, c'est un couple ami. Ça, je peux le déclarer. Et ma belle-mère, elle était ici, hein, ma maman. Ma belle-mère était ici. Donc, on était plus avec le bon. On a fait les 2 semaines. Maintenant, laissez maman ici. On est revenu la trouver ici. Voilà.
Donc, elle était avec les autres enfants. Quoi. Elle a ses enfants ici, voilà. Je me souviens, il devait aller voir Rêve, Biaï. C'est la première fois qu'il devait rencontrer Rêve, Biaï, je me souviens. Et moi, je lui ai dit, mon chéri, Agnès et moi, on lui a dit, pour nous, on ne pense pas que c'est une bonne idée. Vous savez, quand quelqu'un a son problème, c'est lui qui connaît les failles, les rouages, la profondeur, la quintessence, le poids, le volume de son problème et la douleur qu'il endure. Moi, je n'étais pas d'accord. Mon chéri n'était pas d'accord. Agnès n'était pas d'accord qu'il aille rencontrer Rêve. Moi, je lui ai dit, pas nécessaire. C'est sa famille. Ça donne quoi d'expliquer à Rêve ce qui se passe? Pour ma part. Mais il a insisté. Je comprenais le vol pour rentrer. C'était le soir là qu'il a rencontré. Donc, il l'a rencontré. Et moi, je lui avais dit, tu vas la rencontrer, mais demain, il va encore te clasher. Puis tout ça, c'est rebelote. Qui sait? Peut-être elles sont pareilles toutes. Ou alors, elles aident juste leur tante. Ou alors, elles ont l'esprit de famille. Parce que les gens qui ont l'esprit de famille, dès que tu viens dire un truc, ils acceptent ce mot. Maman, donc ça, regarde la dessin. Goût de ça. Attendez, bois ma chose. Toto, viens boire dans mon jardin. Ok, tu es dans l'appartement. Il fait chaud, hein? Goût de ça. Viens boire dans mon jardin. Tu goûtes ça. Toto, viens me boire, je t'invite. Et Rêve, quand nous on l'a dit, nous on avait dit à l'époque, ne pars pas. Parce que bon, si tu perds pas encore revenir, t'insulte, on ne sait jamais. Tu sais, c'est la famille, tu sais, des choses comme ça. Et je me souviens, il est quand même allé. Parce que c'est lui, mine de rien, quand tu conseilles ton ami, il faut que tu respectes que si ta personne dit qu'il va le faire, et c'est un adulte, tu le laisses aussi le faire. Parce qu'il s'agit quand même de sa vie, là. C'est lui qui sait. Qu'est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il endure. C'est lui qui sait l'épine sous son pied. C'est lui qui ressent ça. Et Rêve, après, quand ils ont fait... Il a parlé avec Rêve. Il avait ses preuves parce qu'il a tous les documents qui appuient ce qu'il dit. Et Rêve lui a dit, après, moi, c'est bon. Quand Rêve a vu tout ce qu'il lui a présenté. Parce que Rêve écoutait que la version de sa tante. Donc, c'est aussi la famille, hein, l'esprit de famille. Quand moi, j'explique à ma famille ce qui se passe, ma famille comprend ce qui se passe en moi. Donc, pour que ma famille aille à l'encontre, peut-être il faut qu'ils rencontrent l'adversaire. Et des fois, les familles ne s'ouvrent pas à l'adversaire. Ils écoutent leur enfant, ils connaissent la valeur intrinsèque de leur enfant, ils s'arrêtent à ça. Donc, Rêve a dit, ok, c'est bon. Waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Ma tante m'a plutôt dit, donc, ils ont parlé, c'était correct. Et Rêve aussi, je crois qu'elle a parlé aussi à sa tante. Mais tu savais, Toto, c'est une gangrène. Toto, c'est quelque chose, c'est comme on dit le toc. Chez nous, on appelle l'ivou. Chez les Yaoundé, on dit l'ivou. Chez nous, c'est le toc. Il faut qu'elle nourrisse ça. Et elle nourrit ça qu'avec les problèmes. Et quand elle ne fait pas ça, ça ne marche, ça ne fonctionne. Donc, pour elle, il faut seulement qu'elle soit dans les problèmes. Donc, ça n'a pas duré 5 mois ou combien. Rêve encore, ça a encore fait rebelote. Il y avait un petit éclat. J'avais même dit à mon ami que Chouka Ngongolik était encore clashée, mais ce n'était pas gros, hein, ce n'était pas un big deal. Parce que je pense que Rêve, une fois, elle a toujours mémoire de ce qu'elle a vu ce jour-là. Rêve, excuse-moi, je prononce ton nom. Hein. Si tu veux, tu me clashes, rien à foutre. Je suis déjà dure comme un caillou. Il n'y a plus rien. Rien qui va m'arriver. Je suis invincible. Ouais. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'il allait la voir et c'est comme ça qu'ils ont parlé, c'est comme ça qu'elle a pris position dans le sens de dire à sa tante, ça suffit là, moi j'ai tout vu et tout, vraiment c'est bon là. Et là Toto n'était pas contente parce que Toto pour elle c'est comme, il t'a amadouillé, il t'a payé, ils sont même en froid, je peux confirmer qu'ils sont en froid, oui. Parce que tous les clashs que Lolo subit depuis, c'est des familles qui se tiennent ensemble, surtout si les réseaux avaient montré comme un maillon fort. Mais là depuis tout ce que